Et bonjour. Salut. Alors, Double Connect, ouais, je suis quand même dubitatif là-dessus. À voir. On met une ligne de 4. Double avec puissance 4. C'est ça, c'est Double Cross Puissance 4. C'est exactement ça. Ah, mais tu parles à ta main, ça va, c'est normal. Oui. Parce que je suis quelqu'un de sympa. Okay, on va peut-être tester ça quand même. Je suis quand même curieux. Qu'est-ce qu'on a à la une? On a Décrypto qui vient de passer de bêta à officiel. Voilà. C'est coopératif, il me semble. Enfin, c'est deux équipes, mais c'est. Tu peux jouer à deux sur Décrypto? C'est deux équipes, donc je sais pas. Est-ce que tu peux faire deux équipes de 1? C'est du mastermind, non? C'est ça? Moi j'y ai pas joué, toi tu y as joué, mais moi j'y ai pas joué. Sais pas. Je n'ai pas un souvenir non plus. On n'a pas le souvenir. Non. Faudra voir. Scorpion masqué. Qui nous fait ça? C'est bon pour la caméra? Oui. Tu apparais. Waouh! Magie. La magie. La magie. Donc du coup, on joue. On va tester ce double connect pour voir. Ça marche. C'est trop fort, quoi. Cette fiche en temps réel, c'est. C'est balèze. Ah oui, d'accord. C'est normal, cher. Ouais, ça me permet de ça va, je dois aller dans les paramètres, c'est pas pratique. Je vais découvrir ce bouton magique. Je peux même changer la police et la couleur directement là en fait. Je suis pas obligé d'aller dans les paramètres. Faut juste que j'apprenne à faire un tracker pour récupérer le nom directement dans le truc. L'URL. Et ce serait top. Parce que là il y est game égale double connect en haut, donc on doit pouvoir faire quelque chose. Jouer que ça dux pour commencer, pour débugger un peu le jeu avec Lublinia. Le truc c'est que dans Double tu nommes les ressemblances quoi. Donc là comment tu fais? Je suis curieux. Tu peux créer. Aligner 4 cartes de votre couleur pour marquer un point. Êtes-vous prêt? Carte Armiquan, Sirius, c'est la carte de la première carte. Oui, je suis prêt. Ouais, t'es prêt. Ah, il faut peut-être cliquer sur le symbole, non? Genre, non, c'est pas le canard. Oh, c'est trop dur! Mon cerveau, il est déjà en feu! Je peux jouer avec la tienne ou. Non, tu peux pas, j'ai fait. Il n'y a pas de symbole, c'est pas vrai, ça recommence. Ils ont refait le même jeu où il n'y a pas les symboles. Si, je l'ai, c'est ça. C'est le café, c'est ça, bam! Ah, ok, tu cliques sur le symbole sur la carte. Oh, c'est bien fait. Mais après, il faut les aligner. Il faut que j'aligne 4 de ma couleur. Là, je peux avoir canard aussi, sinon. Ah non, mais pourquoi je peux pas? Hop, parce que j'ai cliqué. Il faut être rapide en plus. Mais non, mais on peut pas les lier avec la Canard. tienne. Ah, je sais pas. On voit si tu triches. Donc, je vais vite. Explique-moi les règles. Bah, tu cliques sur un des symboles sur la Il n'y en carte. a pas avec le premier. Ah oui, mais s'il n'y en a pas avec la tienne, c'est un autre. Tu vois, moi, là, j'ai encore le donut. Oh, je pense que je vais gagner à ce jeu. Alors, attends. Attends, laisse-moi essayer de jouer. Non, tu gagneras un peu plus tard. Ici, c'est lequel qui correspond? Comment il faut Nanana. faire hein? Comment ça marche ça? Ah si je fais. Ah c'est sûr. Mais moi je cliquais sur ma carte, c'est normal Non, que ça sur marche l'autre. pas. Sur l'autre. Bah oui, mais Ah bah oui, mais on tu m'explique fais pas la pas ce qu'il règle. faut aussi. On m'explique pas la Attends. règle, c'est normal. J'hallucine. T'hallucines, mais. Oh, j'y crois pas, c'est fou les symboles. Hein. On n'a pas l'impression que chaque fois on en a. Ah si jamais. Hop. Ça, je te bloque là. Bam. Ah, c'est trop bien. Attends, on va dézoomer un peu. Oh non, elle a cliqué. Ah. Ah, oh, c'est pas beau. Qu'est-ce que j'ai là? Qui peut marcher? Chuchu.
halluciné qu'ils aient encore réussi à tourner autour de ce concept. Allez! Arrête de mettre la pression comme ça. Parapluie éclair pour Ça, toi. j'ai. T'auras pas. Ici, on peut quand même jouer un peu en simultané également, en vrai. On clique deux souris près. Il Qu'est-ce va gagner, il est qu'est-ce qui meilleur. manque? Qu'est-ce Il qui m'a pas manque? expliqué comment jouer, puis il y en a, il va gagner. Mais ça va, c'est bon, on peut en gagner une. Non. Ici, Pas un trichant. gagné. Oh, mais maintenant, on refait. J'ai reçu une carte, mais j'ai reçu un point, c'est tout. Ah. Et Continuez. l'autre? On continue quoi? Bah, je sais pas. On est passé, on est passé. Ah. Allez, Allez. maintenant, j'ai la règle. Voilà, t'as la règle. Maintenant, tu vas gagner. La 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 la, faut chanter. Na na. Ah. Il y a peut-être des trucs extraordinaires sur ta carte que tu viens de poser. Tu peux jouer avec la carte des autres, sache-le. Oui. Sinon tu pourrais pas me bloquer. Non mais je te le dis, Sarah, du mien, ne m'a pas dit toutes les règles. Hein. Après peut-être que toutes les cartes vont pas avec toutes les cartes. Ah, tu devrais arrêter de parler. C'est pas beau ce que t'as fait. Pas tout. C'est pas beau ce que t'as fait. Ah. Je suis perdu sur les trucs là, ça y est, ça Ça y y est. est, Il y a trop de paramètres. je suis on fire. Moi, j'avais exactement le même. Hop, je reclique dessus. Oh, tu triches, tu réfléchis pas, tu me copies. C'est pas pareil. Exactement. Ici, je veux celui-là, je veux celui-là. Ça, j'ai. Non, j'étais en train de poser. Oh! Oh, ça râle Y a un peu. truche! Ça râle un peu beaucoup trop. Attention. Y a triche là-haut. Attention. C'est pas incroyable. Il faut le dire verbalement, Ouais, mais j'attends que tu le l'objet. dises. En même temps, il y a des symboles, je les connais pas. C'est lequel qui est commun, c'est pas vrai. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas. Tu cliques au hasard, je crois que ça Ah si, marche. le sac à dos, je l'ai. Bim! Oh Et non! bim! Mais si, mais Il si! triche! Bon, Oh, arrête je de vais faire des tricher. tournois de ça. Arrête de tricher. C'est ça. C'est ça. Ouais, attends. C'est la plante. Je vais pas te laisser d'abord. Oh! C'est la piquette, Jack! N'attends pas. Et c'est le popcorn. Oh! Oh la vilainie. Oh la vilainie. T'as eu de la chance, hein? Là, t'as échappé de près à. Oh, j'étais en train de le faire. Et ça suffit par contre, Là, hein? par contre, ça a posé une carte tout seul. J'avoue, j'ai Ah mais raté. ah oui d'accord, j'ai posé ta carte en fait, j'ai le bon Ah symbole mais oui. je regardais ta carte à toi. Mais quelle gros naze! Enfin, je suis obligé de t'aider quoi. Je joue avec les deux couleurs moi, oui monsieur. Enfin, ça je peux, ça c'est à moi. Il faut surveiller l'avancement de l'autre aussi, c'est incroyable. Ah oui, c'est vrai que je t'ai mis la pression là. Complètement. La presse de ouf. Complètement. Ah, je me trompe, je clique sur ma carte. Ça marche pas. Allez, arrête! C'est nul ce jeu! Mais ça là, C'est nul! c'est nul, c'est nul. On attend, on t'attend. Non, mais moi j'ai pas des trucs qui sont en commun. Y en a toujours un. Ouais, Ah, de te plaindre, il y en a toujours un. On le voit pas. C'est l'exercice d'observation compliqué, mais il y en a toujours un. There is disco, always one. disco, disco, bon. Waouh, la tête. C'est la revanche. La piquette! Bien joué. J'ai bloqué d'un côté, je pouvais pas bloquer des deux. Prochaine carte de canard. Ouais, mais enfin, bon, t'as eu deux fois là-bas le Ouais, bol disco et puis le ballon, quoi. Donc t'étais sur le même truc. Facile. Un peu facile ça aussi.
On n'a pas en triche, c'est facile. Exactement. Mais pourquoi ça a posé une carte de ta couleur, tu m'expliques? Mais t'es pénible de me piquer ma carte. Jamais de la vie. Tu t'es trompé. Je suis pas trompé. Oh, ah mais ça met des cartes de... Ah mais quand je gagne des cartes de ta couleur. Non. Mais c'est trop nul. Il faut que je les mette ailleurs, du coup, celle-là. Oh là, faut réfléchir de ouf, en fait. Oh, j'aime bien. Si tu m'aides, j'aime bien. Il faut trouver la carte hein, et t'en débarrasser ailleurs, loin, quoi. Et après, faut retrouver les tiennes. Ah ouais, mais non, mais non, mais non. Oh, Pas oh, ici, oh, oh. Pas ici. Et faut que je bloque là-bas aussi. Faut que je bloque là-bas aussi. Comment je bloque là-bas aussi? Ah, mais tu peux si, tricher, ça. J'ai l'impression qu'on peut tricher. Mais non, tu peux pas tricher. Pourquoi tu veux tricher en plus? C'est pas bien ce que tu fais. Si tu cliques sur n'importe quel symbole, ça marche en fait. Ben non, c'est... Ou alors ça t'enlève des points, je sais pas. Je sais pas, t'es joueur, t'as de la chance, mais sinon, non, c'est pas censé marcher. Ah, c'est le premier qui a 5 têtes de double qui a gagné, je crois. T'es en train d'essayer de me déconcentrer. Oui. C'est vilain. T'en as 3, des doubles. Oh, j'ai reçu 2 cartes. Pourquoi ça? Je sais pas. Moi, j'ai 2 cartes. Là, j'ai une carte de ta couleur, c'est abusé. Pas je vais la poser, mais je vais la poser à l'opposé. La poser à l'opposé. Bien sûr. Et bien sûr. Et bonne taille. Et guacamole. Guacamole. Est-ce qu'on est sérieux? Il y a un dé. Ça va pas mieux, toi. Not at all. Les opticiens. Oui. Quand tu arrêtes de faire n'importe quoi là, je vois plus ce que je fais. Comment ça, tu vois plus ce que tu fais? Non, j'ai que des gardes de ta couleur, ça, par contre. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est vraiment abusé. Tu pourras pas faire la abusé. Chapeau, chapeau. Encore une carte de ta couleur. Tout va bien. Montre. Mais c'est gagné. Ouais. Bah, mais moi j'ai pas de carte de ma couleur. Mais je vais prendre 3 cartes. Bah pour équilibrer, c'est abusé sinon. Moi j'aime pas ce concept d'avoir des cartes de l'autre personne. Moi ça c'est équilibré. Ouais. Parce que plus tu gagnes, plus t'as de cartes de la couleur de l'adversaire, mais c'est pas terrible ça. Are you ready to fight? Non, je suis pas ready du tout. Bon oh, bah bien sûr, t'as qu'à jouer toute seule. Hein. Ok. Zayn. Fanny. Ah, c'est bien. Marmo, qu'est-ce que je te dis? Continue. Même là, tu vas pas me laisser gagner en fait. Quand même assez terrible, toi. Et le temps que ça chauffe. Ah, oh, c'est ta couleur. Mais fait pour toi. Fou, fou, fou. Tu vois que c'est chiant. Ah. Moi, ça m'a changé ma carte. Ah parce que par contre si tu triches, ah non c'est juste que je n'ai pas sélectionné. GG. J'ai bugué. Je suis 4. C'est 4, bah oui, bah bien sûr. La quatrième fois que tu gagnes, tu en reçois 4, mais alors la quinte, ouais. Tu en reçois 5. Bon la fin t'as gagné. Ah oui les quits elles sont à toi, oui, bien sûr. Mais arrête de spammer. J'entends que tu spammes. Ah ben oui, je voulais absolument bloquer. Avec you. Pardon. Ouais. Bien sûr. On n'a pas reconnu un peu ça. Parce que sur quoi t'étais parti là. Oh ouais, d'accord. T'as dit que je chante faux. Bah, tu chantais faux, j'ai dit que t'étais parti sur un truc que j'ai pas capté quoi. Hop. Ça n'a rien à voir. Blocage. Oh non. Oh non. Vraiment, je sais. J'ai gagné. Bon, c'est pas mal, c'est rigolo. Ouais, j'avoue. A 4, ça doit être le bazar. En vrai. C'est quoi le deuxième jeu, là, dans le duel qu'il y avait dans la news? Je crois que c'est un timeline. Ah ouais. T'as vraiment envie de faire un timeline?
On est des fous aujourd'hui, on essaye des trucs qu'on connaît pas. C'est quoi le principe? What is the principle? Ben je vais regarder. What is the purpose? Brr, brr, brr. Brr, brr, brr. Tirez 35 cartes pour chaque jeu. Réfléchissez, communiquez, coordonnées pour les placer dans le bon ordre. C'est quoi? Allez. Apparemment c'est quoi, Hopper? Frédéric Henry, pourquoi les règles ne sont qu'en anglais? It's et en japonais. Henry. It's Frédéric Henry. Jouer deux joueurs. Lubli. Ah, j'ai pas fait le doublage, je vous c'est pas le doubleur. Je le fais mieux. Je le fais mieux. Poppy. Je le fais mieux. Pim, 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 pim. Timeline twist. Vous pouvez jouer les fausses cartes. Alors on a quoi 1783, le lancement du premier ballon à montgolfière. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Hot air, bah montgolfière, mais ballon à air chaud. Ça, ils appelaient ça vraiment comme ça. Hot air balloon. Hot air balloon. Je pense que oui. Ballon d'air chaud. Inauguration du Colisée. Invention du code de Morse. La release de Thriller. Allez, chante. Alors, mutinerie sur le Bounty. Voilà, piraterie, ça pourrait être pas trop loin, hein, mais. La quoi? La piraterie. Enfin, là, c'est un navire anglais. En 1783, mais... la piraterie, j'aurais dit 1000. Ouais, c'est 1004, pas loin, 1005. Si. Non, mais j'aurais dit 1006, tu vois, 1005, 1006, mais bon. Mala user is awarded a Nobel Prize. 17 ans. Oh, ça, c'est récent. Bon. De toute façon, faut placer avant ou après, comme d'hab, non? Ouais, je pense. Je peux réorganiser ta main. C'est mon tour. Thriller, c'est avant Malala. Je sais pas. Après 1783, qu'est-ce qu'il peut y avoir eu? Darwin, c'est quand? Darwin. Bon, je dirais que Darwin, c'est pas long, c'est autour aussi. Non mais l'inauguration du Colisée c'est avant c'est sûr non? Oui mais est-ce qu'on pourra mettre autre chose avant? Ah, on peut rien mettre. Genre, Bah je mettrai la mutinerie alors avant moi. Allez. Mais c'est ma main à moi donc tu peux pas. Bon bah je prends le. Je mets le revolver. Revolver ça doit être vieux. Hein. Bah ouais. Jouer des cartes. Deux jouer des cartes. Joue une carte. L'oublier retourne une carte. Hop, ok. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? 1836, le revolver? Je crois pas. Moi, je crois pas. Ah, mais remarque, revolver, après, peut-être. Vous avez joué avec succès une carte du côté de la ligne chronologique. Ah, il faut monter? Pas du tout. Ou bien, on peut choisir une autre carte à jouer. Ouais, mais bon. Le morse, c'est avant ou après le revolver? C'est mieux, le morse, non? Peut-être pas, moi. C'est avec le télégramme. Ça dépend des morses. Je tente le morse? Non, non. Ça, je sais pas. On va pas être loin de Darwin, non? Pour toi. Finir le tour. On va voir. C'est bien parce qu'on joue ça les règles. Ah, le feu de Londres, tu connais le sujet. C'était quelle année? Ben, quasiment 1666, là. C'était. Ah oui, donc c'est trop tard. Tu penses qu'il faut. Mais tu peux jouer une carte si elle est chronologique? Non, mais tu m'as dit les règles. T'as pas lu les règles. Mais non, on a pas lu les règles. Salut Didou, pas trop crevé, non ça oh, va. Oui. Mais finalement on est rentré dans la nuit. Dans la nuit. À 9h30 on a pété un câble, on a dit bon, parce que rester dormir pour dormir, on a dit non. Donc on a pris la voiture directe et on est arrivé vers 1h du mat. 1h30 même. Donc ça va. Lubi s'est reposé, m'appelle. Je comprends pas, jouer des cartes. On va choisir une carte à jouer. Darwin, après les pistolets? Non, je vois pas. Ouais. Oh, pouf, pouf, c'était serré. Easy. Mmh. Et alors, on a joué à Dorgé de Blé, c'était très cool. C'était très cool. Et Partenay, ben, je sais pas. Le rythme, c'est pas celui qui me plaît le plus. Nous, on est du matin, donc attendre 14h pour qu'il se passe quelque chose, c'est un peu compliqué. Ouais, ça met du temps à démarrer. Et du coup, le matin, t'as pas grand-chose à faire, et après,
Et entre 14h et 18h, c'est vrai que c'est hyper bruyant. Hein. Il y a vraiment beaucoup de monde. Donc du coup, c'est que ça devient à peu près potable le soir. Mais après, t'es pas hyper bien installé non plus là. Chez Gigamic, on était sur des bancs. Ah, c'est pour l'assise au niveau du dos, c'est chaud. Hein. Oui, entre ça et les zones de jeu un peu libres où il y a très peu de jeux, et en plus on était serrés comme des sardines, ça se voit. Ça doit jouer. Bon, on est content de l'avoir fait, mais voilà, pas. Je sais pas si j'y retournerai forcément comme ça. Alors. On a fait un calcul qui n'était pas très bon avec l'oublière. On a calculé le prix du déplacement et on s'était dit que au lieu de se déplacer, on aurait pu mettre la même chose dans les jeux directement. Il devait y avoir plus de monde. Il y avait vraiment beaucoup de monde Ouais, là, beaucoup. et c'était vraiment bruyant. Moi, dans l'après-midi, j'ai eu hyper mal à la tête là. Déjà, à l'Orcana, j'avais du mal. Après, ça s'est tassé en fin de journée, mais au début, c'était un peu chaud. Ouais. Le Morse, tu crois que c'est après 1860? Aucune idée.38. 1838. Oh. Je vois pas le concept du jeu. Ça change quoi par rapport à d'habitude? Mais c'est twist. C'est sportif, péter une godasse et les branches de mes lunettes, hein. C'est con. Nous, on a rigolé sur le trajet à l'aller. On s'est bien marré. Waze, il a dit, ah, il y a des travaux, vous devriez passer par une autre route. Donc l'oubli, elle suit Waze. Et ben on s'est Ok. retrouvé dans une. Je sais pas, mais je sais même pas si c'est une route au bout d'un moment, quoi. C'était tellement étroit. On s'est retrouvé dans une espèce de petit chemin. Avec un monsieur en pick-up qui nous a arrêté, qui nous a dit, faudrait vous garer, il y a un taureau qui arrive. Pardon? Donc on s'est garé, on a attendu que le taureau passe. Voilà, c'est donc extraordinaire. Un moment d'une. Je sais pas. Hors Oui, du temps. on a bien rigolé. Donc on peut dire, on a vu le taureau de Parthenay. C'est quoi C'est le énorme. Ah bus? oui, la bestiole était énorme. Ah ouais. J'ai pris une photo quand même. On ne faisait pas les malaises quand même à côté. Bon, si je mets Thrill. Mais c'est après, c'est 1980. Ah oui, mais tu mettras Malala. Je sais, on a droit à trois trucs, hein, je comprends rien. Je sais pas. Je ne comprends rien. C'est quoi le principe? On n'a pas lu la règle. Armicon doit jouer ou défausser une carte. Moi, je vais défausser le Colisée. Ah, mais c'est pas dans ma main. Pas dans ta main. Mais je vais défausser la mutinerie. Je peux pas. Pourquoi je peux pas? Je peux défausser que le prix Nobel. Et organiser ma main. En sélectionnant des paires de cartes. Ah, mais d'accord, l'ordre dans ta main, elle a une importance. Pourquoi? Je sais pas. Je ne sais pas. Et en fait, jusqu'à 14h, il n'y avait vraiment que des zones pour les jeux des tout petits ouverts. On a direct fait leur canard, je crois qu'on y est resté jusqu'à 15h30. Parce que comme il n'y avait pas grand monde, on a pu jouer un peu plus longtemps. La question c'est est-ce que la lumière est utile? Tiens, je vérifie l'impact. Ah, ça va éclairer beaucoup, oui, bien sûr. Hop. Changer les deux caméras carrément. Bam. Qu'est-ce que c'est qu'on peut faire dans ce jeu? Est-ce que c'est utile? On rend pas compte. Hein. Nous, on était. Comme on était en séjour, on se pressait pas. Mais c'est clair qu'on refera pas avant quelque temps. Moi, je suis. Ouais, je suis pas convaincu du festoche. Après, niveau pro, en plus, c'était compliqué parce que tu vas voir les gens, ils sont en animation, ils sont pas spécialement en mode pro. On a pu laisser quelques cartes, mais c'était pas dingue. Faut que tu joues. J'ai fini, moi, j'ai fini de Non, jouer. mais pas. Excusez-moi, j'ai pas fini le tour, mais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais non, on peut rien rajouter. Comment tu veux. Dis-moi.
Je pense que là, il faudrait vraiment lire la règle. Mais bon, ça reste timeline, quoi. Tu joues des cartes, tu les ordonnes. Bon. Il y a même twist parce qu'on est à deux, que c'est coop et qu'on peut faire des trucs en plus, sûrement, mais. En fait, ça repose vraiment tellement sur ta culture perso que. Là, ça manque de règles. Ah non, ça manque de culture, hein, pour moi. Après, on est content de l'avoir fait quand même, parce qu'on n'y était jamais allé, donc c'est. Enfin, c'est cool, hein. Vraiment cool. Mais c'est vrai qu'on refera pas, je sais pas. Après, si on est invité un professionnel, tu vois, s'il y a des trucs à faire, on ira. Le souci, c'est que c'est très familial, pas trop possible de faire des jeux velus tranquilles. Ouais, puis il n'y en a pas tant que ça, tu vois. Vindication, par exemple, il n'y avait qu'une seule table, en fait. Donc les deux ou trois fois où on est passé, c'était pris. Et après Pagan, c'était libre, mais après Pagan, je pense qu'on aurait pas eu le temps de finir la partie. Et on était un peu sur les rotules, tu vois. Et les jeux en libre service, c'est hyper compliqué, quoi. Il y a une espèce de. Les trois tentes, là, au village des jeux. T'as genre la tente des nouveaux éditeurs, la tente des jeux moyens et la tente des jeux enfants, quoi. Et dans la tente des jeux moyens, il y avait quoi? Deux boîtes d'After Us? Ouais, Il y mais avait. juste after aussi. After, ouais, il n'y avait pas grand-chose de plus, quoi. Enfin, c'était pas dingue. Hein. Moi, je trouvais que c'était pas ouf. Je teste, je joue des trucs pour voir qu'est-ce que ça fait. Voilà, ça le met là-haut. Oui. Salut Eddy! Changement de décor, ça se professionnalise. LOL, attention, vous n'êtes pas en train de jouer à Double Connect. Tu vois, Non, voilà. on n'est pas en train de jouer. J'ai dit Ah que j'allais l'oublier. Il faut que je mette en place un tracker. mais sinon, mais c'est quand tu ouvres la table, Timeline. change-le. Mais j'y pense pas. On se rattrapera à SN. Ouais, ça fait loin, SN. Quel est ce joli jeu? C'est Timeline Twist, du coup. J'ai mis à jour le texte. C'est un timeline. Bah, c'est pas forcément ma tasse de thé. Le tube de dentifrice ou le mur de Berlin? Donc tu classes des cartes que tu as dans ta main dans l'ordre chronologique. Voilà. Et là, c'est un. D'habitude, il est perso, tu as une main carte et tu alimentes une rivière commune. Et faut pas te tromper. Et là, c'est coopératif. Je connais pas du tout. Ouais, des timelines, il y en a eu plein. Il y a eu Cardline, Timeline. Le principe, c'est de faire des suites chronologiques de cartes. Alors dans Cardline, c'est pas le temps. Cardline animaux, par exemple, tu vas classer les animaux selon leur poids, leur espèce, ou les trucs comme ça. Ouais, selon le critère que tu vas définir. Mais là, ce qu'on n'arrive pas à savoir, c'est comment classer nos cartes, en fait, parce Le but, c'est que. d'avoir la main vide, et ce que je comprends pas, c'est que ça commence plusieurs lignes. Déclaration des droits de l'homme, c'est 1792, hein, ou par là, ou 1785. Enfin, c'est. J'ai la date, tu vois, mais. Coopérativement. Ça doit être entre la mutinerie et le truc, là. Ah non, tu vois, mais il a pas voulu me la jouer. Parce qu'on ne peut pas la mettre. Les enfants m'en ont parlé avec un thème sur l'histoire. Ouais. Bon là, en début de live, en général, on fait un peu le tour des nouveautés, des choses qu'on ne connaît pas. Qu'on n'avait pas joué. Donc, Advent of Peter. Et maintenant, je vais tu vois. Et après, sinon, s'il y a du monde, on peut partir sur d'autres jeux, hein, ensemble. Tu as ça doit jouer ou d'arrêter? Vous devez choisir une carte à jouer. Le Titanic, c'est 1912. J'ai à peu près les dates, enfin, c'est par là, hein, il me semble, le Titanic. Ah, remarque là, c'est release of. Ah, c'est la sortie du film. Sortie Ah, du bah vite film, peut-être. donc. Non, sortie du film, on doit Ah, être. oui, quoi. Non, mais il y avait un premier vieux film. Allez, vas-y. Dans les années 60. Mais il va aller nulle part ce film. 97. 1957. C'est bon. Ben, pourquoi il va pas en haut? Je sais pas. Le film dans les années 90 avec DiCaprio, ouais, mais il me semblait qu'il y en avait eu un avant. Il n'y avait pas eu un avant, hein, genre en noir et blanc? Ah, mais il devait pas s'appeler Titanic, non? Celui-là, je connaissais, mais il me semblait qu'il y en avait un autre. À toi. Je fais ça, je ne sais pas. If the Oui. card cannot fit the timeline.
En plus, je comprends pas pourquoi le jeu est en anglais, alors que Frédéric Henry était un auteur français. Donc, Bon, je sais pas. c'est un peu étonnant. Bon, Ah, donc, non, je pense que regarder les examens, c'est juste pour toi, pour mettre les cartes dans l'ordre que tu penses. Mais non, parce qu'ils disent par paire, il y a une histoire avec les symboles là, tu vois. Il y a le Ah. symbole montre, coucou, agenda. Anglais pour que toute la planète puisse y jouer. Oui, pour le côté universel, mais. J'ai toujours un peu du mal avec les auteurs français qui font un jeu où il est que en anglais. Après, là, il a peut-être juste pas été traduit. Hein. Je m'avance un peu. Pardon. Comment on perd? Jouer des cartes. C'était mieux Pagan. Console de jeux vidéo carnet 80, non? Ça, c'est l'Intellivision, non? C'est pas ça l'Intellivision? Et l'Intellivision, on doit être dans les années 80. Ça peut aller nulle part, ce que je comprends pas, c'est comment on dit. On peut plus jouer là. Ah si, ça peut aller dans l'autre sens. Ah oh, oui, j'ai tout pourri. Ah Excusez-moi. oui, d'accord. Excusez-moi. Oh le jump, 1119, la fondation des Templiers, donc on peut plus placer le feu de Londres. Mince. Non, c'est noté Video Game Console, pas télévision. Oui. Non, mais il y a une console qui s'appelait l'Intellivision. Intellivision. Il me semble que c'est celle-là, avec les espèces de manettes et les petites molettes. Donc je vais mettre le colisée en 80. Voilà. Ah, c'est mort. Première apparition de Sherlock Holmes, est-ce que c'est pas avant 1789? Ouais, mais c'est toujours pareil, c'est ta main, hein, toi. Années 70, alors, non. Ah, j'essaye. Avant Mais là, 1789. c'est à moi, de toute façon. Normalement, il faut communiquer avec un Ouais, faut communiquer. pitch du jeu. Invention du sachet à thé. C'est mort, non? J'essaye. Je suis pas sûr qu'on mettait le CD dans les sachets. 1908. Waouh. Je vois au feu de l'ombre. Télégraphe, j'ai pas du tout attention. Bon, je peux déposer ça. Hein. Et donc c'était 1972. Ouais, quasiment dans les années 80. J'avais joué le samedi de l'ombre. Hein. 1960, Ralph H. Barr. 1666, c'est bien ça. Ralph H. Cherche quoi? La première automobile, là. Intellivision. Ah, c'est pas tout à fait ça, je crois. Ça ressemblait à ça, l'Intellivision. Oui, moi non plus, c'est pas trop ma tasse de thé ce jeu. Y a pas assez de cubes. Il n'y a pas assez de cubes. Ouais, Oui, non. Ah, mais c'est à moi. Tu m'as pas c'est dit. à toi. Ça, c'est quoi? C'est construction. La première automobile. Ouais. Ça passe, ça. Ah non, 1769. Oh. Moins 5. Moins 5, Team Wannabe. Team Wannabe. On ne chante pas. Ah, je l'avais en tête, effectivement. Bon allez. Est-ce qu'on fait un vrai Un jeu? vrai jeu. Allez. Qui veut jouer à un vrai jeu? Qui a le temps de jouer à un vrai jeu d'ailleurs, tiens. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure comme jeu?
que tu voulais refaire. Tiwanaku, c'est ça? Ah oui, je crois que c'est ça. Un petit jeu. Je vais en réunion dans 15 minutes, donc pas le temps. Ah, dommage. Dommage, dommage. Connaissez Can't Stop, c'est sympa. Ouais, je connais, moi. J'ai déjà joué. À Can't Stop. J'ai joué, moi. Je crois pas, j'ai joué avec Tom. Est-ce que tu connais Gangs of Dice? Gangs of Dice, c'est rigolo. On est un peu dans cette ligne justement des jeux stop ou encore, ouais. Les bruitages. Alors, attends, il faut que je me rappelle là. Du coup, il y a 7 tuiles marron, Non, 6 il y en a tuiles vertes. 7 dans la réserve. 7 Donc dans la réserve. Oui, il y en a 2. Donc, non, si, peut-être. Et tu vois, il y en a 3 jaunes et on a déjà le 5 en visu. Donc, pas qu'une zone de 5 jaunes. il n'y aura qu'une zone de 5 jaunes. Ça que ça veut dire. C'est peut-être pas le meilleur emplacement, ça. En même temps, tu me fais jouer à ça, je perds tout le temps à ça. Comme de par hasard. Exprès. Ah, on n'a pas changé le nom. Ouais, Quand tu lances la table. je la lance la table. T'as trop loin. T'as 3, 2, quand ça marche. Tiwanaku. C'est à moi. Yes. Ce n'est pas rigolo sur mobile car pas de présentation des cartes. J'ai découvert grâce à vous, mais je me suis fait battre hein, car je ne connaissais pas les cartes entre autres. Ouais. Ouais, c'est vrai que si tu connais pas les défis, c'est compliqué. Elles sont pas très expliquées quand tu même sur le jeu, quand tu survoles les cartes, c'est pas. Ça t'explique la signalétique, mais ça t'explique pas l'effet. Moi je suis une dingue. Ça joue tout le temps perdu pour perdu. Gangs of Die, je trouve que c'est rigolo entre amis, ouais. C'est un jeu apéro, tu vois, tu le sors. Hein. En ce moment, je rejoue à Seven Wonders Architect. J'aime bien jouer à Seven Wonders Architect aussi. Ouais. Je trouve ça pas mal. Moi aussi j'aime bien. On n'y joue pas souvent quand on est tous les deux. Tu veux jamais y jouer, t'aimes pas? Pour architecte aussi, duel j'aime pas. Peut-être ici plutôt. Bon, voilà, c'est parti pour la divination. La divination. Donc, Tiwanaku, c'est une espèce de. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une espèce de. Je sais pas, je trouve que ça reprend un peu le principe du dé mineur, en fait. Il y a cette espèce de jeu où on essaie de deviner ce qu'il va y avoir autour du pion qu'on a posé. Non. Ça fait des zones de couleurs. Et en même temps, il va y avoir des pions sur ces couleurs qui vont de 1 à 5 au maximum. Et qui sont en fonction de la taille de la zone. Donc, par exemple, on voit qu'il reste 3 tuiles noires, 4 tuiles vertes. En vrai, on ne sait pas si c'est du noir ou du vert là-bas. Ouais. La jaune, elle peut aller là ou là. Enfin, en vrai, on le sait, mais je te le dirai. Ouais, mais toi, t'as compris le jeu, mais moi, j'ai pas compris. Jusqu'à 4. Voilà, c'est une zone de 5. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir au moins 1, 2, 3, 4. 5 ici en marron. Les 5 marrons, ils sont forcément là. Donc le jaune, il est là. 1, 2, 3. Ça veut dire que là, c'est une zone de 4 en marron. Non, de 5, puisqu'il y a l'eau en haut. Et non, ici, ça va être du vert, je pense. Si tu as le 5 visible ici, tu peux pas avoir une zone de 5 ici. Il n'y a pas assez de marron Oui, pour faire c'est du 5 et vert. 5. C'est bien ce que je t'ai dit. Là, c'est du vert. C'est-à-dire qu'ici, ça va de 1 à 4. Hein. Sachant qu'on voit déjà le 2. Pourquoi
Pourquoi c'est facile? Arrête de dire c'est facile. C'est pas facile. Les miens sont faciles. Et tiens, un peu moins facile. C'est pas facile, hein. Et là, j'y suis. 3, 5. Il nous reste 1, 2, 4. Je ne comprends pas. Ouais, non, mais c'est, je l'explique pas très, très bien. En fait, pour chaque couleur, tu peux avoir des zones qui font une taille 1, 2, 3, 4 ou 5. Et le but du jeu, c'est de... C'est de deviner. De deviner où se trouvent les zones et de deviner quelle plantation il y a sous chaque tuile. En sachant que sur une zone, il ne peut y avoir qu'une fois chaque chiffre. Donc si tu as une zone de 2, tu as forcément le chiffre 1, le chiffre 2. Si tu as une zone à 5, tu as une zone à 1, 2, une à 3, une à 4, une à 5. Et ensuite, tu peux pas avoir d'adjacence. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le jeton où il y a le 3 au milieu, qui se voit, parce que c'est déjà été révélé au début de la partie, les petits bonhommes, nous, qui sont autour, on sait forcément qu'il n'y a pas de 3 dessous, puisqu'il ne peut pas y avoir de chiffres adjacents. Et donc là, le but, c'est d'avoir placé nos jetons, nos bonhommes, sous des tuiles qu'on va pouvoir identifier. Ah putain, mais je suis vert, je suis pas marron. Alors, pardon. Et donc, grâce au fait de savoir que c'est forcément une signe tout de suite qui commence par 1 dans ta zone, plus le fait de ne pas avoir d'adjacence, normalement, tu es censé pouvoir deviner ce qu'il y a sous tes bonhommes. Ou pas. Si vous avez compris, bravo. Hein. J'explique trop vite. Mais non, mais c'est dur. En fait, à visualiser le jeu, il est dur. Une vidéo sur celui-là? Je voulais en faire une. Et j'ai pas encore eu le temps de la faire. Ah, je n'ai pas vu, en bas il y a écrit il y a ta cote, il y a un nombre de parties que tu as joué, le nombre de victoires. J'ai le cerveau qui fume. J'arrive pas à voir, j'arrive pas à deviner. J'arrive pas à deviner. Je sais que ici il y a 1, 2, 3, 4. Le 2 est déjà visible, donc il me faut répartir 1, 2, 3. Il me reste répartir 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Le 4 ne peut pas être là, il ne peut pas être là. Donc le 4 est forcément là. Ce qui me laisse le 1 et le 3, mais j'ai aucun moyen de le deviner, donc celui-là j'abandonne. Ici il y a 1, 2, 3. Ici il y a 1, 2, 3, mais si ici il y a le 4, ça me dit pas, à part le fait que je sais que le 2 n'est pas là, donc le 2 est forcément là, mais ici ça peut être 1 ou 3. Non, ça peut pas être 3, parce que t'as le rouge, 3. Le rouge il est loin là. Marron. Le 3 il peut pas être là. Le 3 il peut pas être là. Et le 2 il peut pas être là. Mais à part que le 2 il est là, le 3 il pourrait être là, il pourrait être là. Pourquoi il pourrait pas être là le 3? Sous mon verre. Il peut pas être sous le mien, c'est ce que je t'ai dit. Oui voilà. C'est tout ce que j'ai dit. Je croyais que tu me montrais le mien. Mais juste le rouge peut pas être sous le tien et le vert peut pas être sous le mien, mais c'est tout. C'est un peu comme du sudoku aussi, ouais. Voilà. Mais non, parce que le mien, tu sais forcément ce qu'il y a dessous. Bah le 2. Le 2. Oui, mais il me reste 3 et 1, mais je peux pas... J'ai une chance sur 2. Je sais. J'ai une chance sur 2. Et ici, c'est pareil. À part qu'il n'y a pas le 5, qu'il n'y a pas le 3. Ici, remarque, si on sait qu'ici c'est le 2, il peut pas y avoir un 2 ici. Et quoi, tu vois que ce soit le 2? Parce qu'il peut pas être là. On peut pas être dans le coin, parce qu'on pourrait être adjacent. Ici, il n'y a pas le 2, ça j'en suis sûr. Mais ça me laisse 1 ou 4 ici. Ah, soit il faut que tu fasses une domination, soit il faut que tu bouges 4, un peu. 1 ou 4, mais le 4 il peut pas être là. On a dit que le 4 il était là, donc c'est pas le 4. Ici c'est le 1. Ici c'est le 1. Bien joué. Bon, par contre, t'as perdu un temps, mais. Et là, le problème c'est que. T'en as deviné que ? Ouais, je suis trop. Ah oui, maintenant que tu sais ça. Oui, bah vas-y, fais-toi plaisir. Et le problème du jeu, c'est que si on se trompe, ou même si on réussit et qu'on va pas plus loin, on donne des informations à l'adversaire qui lui va dérouler son plan de jeu et il va deviner bien plus que vous. Donc être le premier à deviner, c'est quand même un gros risque. Et après, quand on a deviné à peu près tout ce qu'on a, on peut rebouger nos pions et on va essayer de les bouger de manière à bloquer le passage des autres, parce qu'on peut... On ne peut pas se déplacer sur le passage de notre joueur. Donc là, avec mon vert, je pourrais aller sur le côté, je pourrais aller venir, je pourrais ici, mais après, dès que je rencontre un autre joueur, je suis bloqué.
Donc il y a un peu un système de blocage aussi. C'est intéressant, mais pareil, c'est pas bon. C'est pas forcément le jeu que j'achèterais, moi. Oui, parce que toi, tu trouves que c'est plus de la réflexion que du C'est un jeu. casse-tête. C'est pas un jeu, c'est un casse-tête. Ça fait travailler l'intellect, mais ça, y a pas le fun, quoi. Et puis t'es meilleur que moi, donc bon. Je tente ça, mais ah, c'est pas ça. Ah, que c'est soit main. À toi. Ok. Bah donc je sais qu'ici c'est pas le 1. Et après, quand tu Ici c'est le devines des 3. cultures, il y a aussi encore une couche en plus sur le jeu. C'est que tu peux essayer de deviner un chiffre de chaque 1, type. 2. Donc Parce que ici, quand tu devines un chiffre, 3. tu récoltes la ressource de ce type. Et quand tu as fait une divination, tu peux faire des offrandes. Et du coup, si tu as 5 ressources, ça 4. t'offre 10 points bonus. 2 Et ici. ça, c'est encore une dimension supplémentaire sur le jeu. Donc là, tu vois, du coup, on peut dérouler quoi. À partir du moment où on en a trouvé quelques-uns, tout le reste se déduit assez facilement. Et après, il va falloir refaire une phase où on va explorer. Donc là, si je voudrais maxer en fait mes points d'offrande, il faudrait que j'essaye d'aller promener un de mes bonhommes sur une zone où je pense qu'il va y avoir un 3 ou un 5. Parce que j'ai déjà les ressources du 1, du 2 et du 3. Fais donc ça. Allez. Oh, this is the story of my life. Je vous laisse, creusez-vous bien les méninges. À Merci. plus, bon courage pour ta réunion et n'hésite pas à repasser quand tu veux. Et coucou Benny. Benny, en Hello. journée, que fais-tu donc là? Nous sommes quel jour? Nous sommes jeudi. Télétravail. Ah, c'est à moi. Enfin, un peu de temps à toi. Le boulot s'est calmé un peu? Bah je bosse, oui, je me doute que tu bosses. Je bosse. On va t'appeler Hugo. Je bosse, moi. Tu sais, il a rajouté le moi. Mais nous aussi on travaille, Il a regarde. raison. On est en plein. Oui, ça s'est calmé. Bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Merci quand même d'avoir donné beaucoup de temps Ouais. sur ce projet-là. Clairement. Clairement, clairement. À toi. M1. Pardon. Explore. Explore. Je voudrais aller là. Bon, du coup, tu joues à quoi? Tu joues quand même à WoW un peu? Reste une tuile bleue. J'ai posé les deux prochains vendredis. Donc ce soir, il me restera 9 jours de travail avant les vacances. Ah ouais, bon, ça fait encore un peu de temps hein, quand même avant les vacances, mais. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. C'est nul ça. Hein. Ah, il nous reste une. Ok. Quoi? La hinde. Tu m'étonnes que ça te tarde. On va faire ça. Offrande ou pas offrande? Ouais, on comprend que ça te tarde. Hein. À toi. Je vais divine lui parce que je le sais. Donc il me reste 2 et 4. J'ai aucun moyen de savoir 2 et 4 ici en vrai. 1, 2, 4. Et là c'est pareil. Ici on sait que c'est le pal 3.
Le 5 est déjà là, donc le 4 peut être loin. Le 3 il est pas là, donc il est là ou là. J'ai repris les rênes. Oh bah écoute, si ça te fait plaisir. Drogué. Bah, c'est pas une histoire de droguer, si voilà, si ça te plaît, ça te plaît, faut faire ce qui te plaît. Ce soir, c'est le début de la saison 1 de Diablo. On va le streamer ce soir, on sera en live à partir de 20h ce soir, je pense. Peut-être un peu avant si on a fini de manger, mais je suis pas sûr. Plutôt reprendre à partir de 20h, se faire un petit stream nocturne. Donc tu raides du coup ce soir? Allez, Lubli. Ouais, je... Faut jouer. C'est compliqué. Un coin sur le dernier HM, et oui, je vous regarderai en même temps que le raid, ok. Bah cool. Bon. J'espère Comment on dit? Te croisera. Le disturb en anglais je l'ai, mais dérangera pas trop. C'est fou, des fois j'ai des mots en anglais et pas en français. C'est dingue. À l'heure, j'avais guess, mais j'avais pas deviné. Et t'avais pas deviné. Hein. Guess what? Bon, t'as vu le nouvel habillage du stream? On a step up, hein? On a travaillé ce matin. Bon, moi, j'ai dormi. Bon, Deux ou quatre. Deux ou quatre. Ah, c'est dur. Là, je suis sur des bonhommes. Je suis allée me placer pour récupérer les ressources que je voulais, mais si je me trompe, bah, c'est perdu, quoi. Ouais, je tape, je l'ai classé en 3. Oui, pardon. Et du coup, là, c'est le 5. La chance, une chance sur deux. Voilà, la partie se joue là. Le talent, La partie se le joue là. talent. La partie Le talent. se joue là. Non, mais j'ai réfléchi. Là-bas, il y aura 1. Forcément, ici, il y aura le 2. Et ici, il y aura le 3. Donc là-haut, le 2 est là. 1, 2. Ah bah il manque le 4 là. Hein. 4. Oui, pardon. Ouais mais tu vois ce qui me gêne c'est que c'est quand même. T'avais 5, une chance sur deux de trouver le bon, et à partir du moment où tu l'as, ben Non, tu déroules tout. j'étais sûre de moi quasiment. Bah ben, non, t'as une chance sur deux, tu peux pas être sûr de toi. Mais 50% c'est 50%. Mais je pense que c'était bon. Il y a forcément le 3 à côté du 5 là, pour la prochaine ligne. Non mais en bas, En t'avais. bas. En bas, t'avais. Non. J'ai réfléchi à ce qu'il y allait avoir dans les trois cases vides d'en bas. Ben, il y avait un, deux ou trois. Oui, mais non, parce que 1, il était déjà visible. Mais Donc il donc il pouvait y pas avait être. deux ou trois. Il pouvait... Le 1 était forcément au point, Oui, effectivement au point ok. là-bas. Le 2, il pouvait pas être contre le 5. Donc c'est le 3 était forcément au milieu. Ok. Mais non, justement. C'est le 3 qui est en dessous. Du 1 et du 5. Parce qu'il pouvait pas y avoir le 2, tu viens de le dire. Oui, c'est ce que j'ai dit. Le 2 est au milieu et Classe au milieu forcément le des 3, 3, donc ça là-bas fait 1, c'était 2, forcément. 3 en Oui, bas. ok. Du coup, 3 pouvait pas être à là où il y a le 5. Donc c'était pas une chance sur 2. Ouais, mais j'étais pas sûre. Bah si. Tu Ah viens de ouais, refaire le calcul. je réfléchis. Un Je suis Doliprane. tendance à passer. Hein, c'était hier. Hier au festival, là. Alors je sais pas si t'as suivi sur le Discord, mais on est parti à Parthenay hier. Hein. Et On est deux. parti à 6h du matin hier. C'est à 4 heures de route jusqu'à Parthenay. Et on a fait la journée là-bas en mode jeu de société. Mais ça démarre qu'aux alentours des 14h. Et à 9h30 hier soir, on a repris la route en sens inverse. Donc on est rentré à 1h20 du mat. 1h20. Explore. Je vais me mettre là. Ah, t'as raison de pas deviner. Ah bah oui. J'ai pas d'intérêt. Fatigant. C'était dur là. Je pense vraiment la dernière demi-heure c'était un peu dur, mais ça va. Hein. Enfin, Lubli était réveillé, donc on a discuté quand même sur le trajet. On a chanté. Mal, mais on a chanté. C'était drôle. Ah, c'est toi qui m'as chopé le dernier. Ah, tu as peut-être gagné, hein, du coup. Et voilà. C'est à moi, quoi. Il fait couvert ce matin, c'est pour ça. Mais ouais. Mais chez nous il fait beau, hein. Mais disant que tu es. Il fait très beau chez nous, monsieur. On a dit 1, 2, 3 là, c'est ça?
réfléchis. On a dit que ça faisait 1, 2, 3. Ouais, c'est exactement dans l'ordre. 1, 2, 3. Je suis sympa. Moi, j'ai déjà calculé. Ah, mais c'est à moi, du coup. La nature se réveille, les oiseaux reviennent. Ici, c'est 1, ça c'est sûr. Ah, mais toi non plus, t'as pas le sens. Ici, c'est pas les alertes. Ouais, mais c'est la première qui vient d'hypop. Oui, oui. Ça, c'est 3, ça, c'est bon. Par contre, là, il va me manquer quoi? Il va me manquer 1, 2, 4. Non, 1, 1, 3, 4. Le 3 peut pas être là, donc le 3 est forcément là. Oui. Le 4 peut pas être là, donc il est forcément là. Et donc ici, c'est le 1. Voilà. Ça, c'était un vrai jeu. Non, mais j'ai pas fait mon offrande, du coup. Ah. Ah, ça te le propose pas si tu finis. Non, ça voilà. La compte pas tout seul. Donc t'as gagné. Si, si, ça te la compte quand même. Offrande à 6. Ouais, mais ça, j'aurais pu. Ouais. T'as quand même gagné, du coup. Ouais. Je vois pas trop pourquoi, le comment, mais. Ouais. Eh ben, j'ai fait une offrande à 10. Je suis pas convaincu par le jeu, hein. Je sais pas. Moi, j'aime bien. Enthousiaste. J'ai un trophée enthousiaste de Tiwani. J'aime bien. Je suis pas sûr de l'acheter parce que installer le matériel à chaque fois, c'est un peu pénible. Non, j'achèterai pas. Je préfère acheter un dorgé de blé ou un Vindication, quoi. Je vais utiliser ce mot souvent, Vindication, vous verrez. Ça s'appelle du matraquage. La personne à côté comprend. Voilà. Ah bon? C'est quoi? Vindiquoi? Vindication. Peut-être t'aurais dû insister pour faire une partie hier. Non, pas. Oh, mais on était KO. Trop de réflexion, donc. Hein. Je vous ai invité. Ah. Ah, ben voilà. Oui, putain. Vindication. Je cherche un troisième joueur. Vindication. Ah, c'est un jeu, il est joli, il a l'air sympa, mais il est à 99€. Ça fait un peu cher, quand même. 90. Non, 99, hein, sur Fiverr, j'ai regardé 99-90. On va jouer contre un monsieur qui est très... Eh, mais j'ai jamais joué. Noob. Ah, je double ton jeu. Il veut pas jouer, monsieur. Oui, ça pique, quoi. Je trouve que c'est un peu démesuré, mais c'est parce qu'il y a des figurines dedans, la boîte est très grosse, et il y a un peu du matériel... Je sais pas comment on dit, pas surcoté, mais c'est surproduit, voilà. Surproduit, c'est exactement le bon mot. Surqualitatif, parce que je pense que c'est un KS qui a été anglais, qui est maintenant le Lucky Duck, le localité en français. Et je pense que c'est ça qu'on paye surtout. Voilà. Ça vaut pas, à mon avis, 99 balles. Peut-être 70, 60, 70, mais pour voir au-delà, ça commence à piquer. C'est dommage parce que ton anniversaire est déjà passé. Effectivement, 99,90€. 100€, quoi. On n'a pas changé le. On est nul à ça. Hein. On joue à Seven Wonders Architect. Ah, c'est le mec qui crée la table qui doit changer. Ouais, d'accord, très bien. C'est le mec qui stream qui fait tout. Ah ouais. Je joue, c'est déjà pas mal. Elle choisit une carte, je joue pas monsieur, beaucoup. Monsieur, il a choisi des briques. Bonjour monsieur. Mais il y a du joker partout. Je joue quoi moi? Je suis deux différents. Tu joues quel. Tu joues joker, c'est les pièces, c'est ça? Tu joues fort d'Alexandrie. Les pièces, c'est joker? Les pièces, c'est joker. Joker. Écrit joker. Il a tous les jokers chez lui. C'est bon. Et lui, moi je joue à l'Icarnas encore pour de rien. Non, Ephesos. Ouais, ça va. J'en ai marre d'Icarnas. Ephesos. Oui, Jeff Ephesos. Il a fait une corne. On va l'avoir la corne. On va leur mettre un petit coup de corne dans le chat pour les réveiller. Ah. Parce que ça dort. J'ai mis un coup de corne aussi. Ah bon, mais je le mets pas alors. Ça va être la guerre. Non, mais pas de chat. Oh là là. À trois coups de corne, on se déclare la guerre entre les trois cités. On compare la puissance militaire. Au moins, ça va, j'ai fait la sieste. Oh, bah, moi, je vais prendre la corne, hein, comme ça on a égalité, personne ne gagne. Hein. Oh là là. Bien sûr. Hop, un partout, la balle au centre, chacun rentre chez soi. Le mec il te dirait qu'il joue comme des billes. Bim, en plus lui il joue Babylone donc il va se faire plaisir. Moi je joue
Le phare d'Alexandrie, non? Oui. Où est-ce qu'il y a le nom de ta structure? Tu cliques sur le point d'interrogation. Point d'interrogation. Tu n'as même pas besoin de cliquer. Le pouvoir d'Alexandrie. Tu as un pop-up. Pouvoir de pop-up. Babylon. Babylon. Rastafari Babylon. Oh, je vais prendre le chat. Mysterious. Hello, darkness, my old friend. Le chat permet. Oh non, je lui ai donné tous les symboles scientifiques. J'essaie le. Regarder. La carte de la pioche. Ah, c'est pas mal sous BGA. Du coup, toi, tu vois ce qu'il y a dessous avant de piocher. Mais juste avant de piocher, ouais. C'est bien. Mais moi, c'est bien foutu. Le chat est sympa. Hein. You can play. You can play, you can play. Ça fait quoi qu'il ait plein de symboles scientifiques? Ça fait qu'avec trois symboles différents, il va pouvoir aller reprendre un jeton et que son pouvoir des jardins de Babylone, c'est d'avoir deux jetons en plus. Donc il va avoir trois jetons. On voit que déjà, il y a le jeton ici qui fait 4 points et s'il chope le deuxième, ça va lui faire 12 points. Ça veut dire qu'il va nous mettre la sauce un peu, tu vois. Faudrait s'allier peut-être. Ouais, avec des ressources, qu'est-ce que je fasse? Et lui, il a des jokers. Oui, bah oui, bien sûr. Et lui, il a des jokers. Des jokers. Est-ce que t'as rejoué un petit peu à DC Dual Force ou pas, Benny? Benny. Aïe, 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 c'est compliqué. Oui, tous les jours. Ok. Je suis un peu inquiet, moi, sur le jeu, je t'avouerai. Je sais pas si ça va bien marcher. C'est à moi. Faut me le dire. Hein. Il faut me le dire. Je fais 3-5 parties, mais beaucoup de défaites. Ouais, mais ça manque de... Pour gagner, pour ouvrir des boosters et tout ça, ça va être un peu compliqué quand même. Et tu voilà, il l'a eu. Et il l'a eu, et puis... Il y en a un qui fait 2 points de plus par jeton vert. Hein. Bien de le voir, il vient de le faire peur. Abusé. Bon, c'est parti pour les ressources parce que sinon je vais jamais construire. Voilà. Ok, symbole vert. Il met point de victoire, donc on a à peu près égalité en point de victoire, mais il a construit 2 étages. Hein. Après son deuxième étage fait pas de points. Bien. Moi je suis un peu inquiet ouais, sur DC parce que bon ça manque de contenu ouais. Les histoires seraient cool s'il y en avait plus, après faut être patient mais face à Hearthstone dur. Ouais, je me demande s'ils sont pas précipités trop en fait finalement. Sur cette open beta là où tu peux juste faire des matchs en non classé et c'est pas équilibré parce que les mecs qui ont Aquaman et clairement ils roulent sur le jeu quoi. Je récupère le chat. Vous savez. Tu savais yes. Hop, 3 symboles de plus. Et allez, 2 épées en fixe, bien sûr. Le mec, il yolo random la pioche, quoi. Souffleur de verre, bim, qu'est-ce que c'est ça? Tu peux prendre n'importe quelle carte. Tu choisis parmi tous ceux qui sont visibles. Ça fait quoi la guerre? Ah, il a 2. La guerre, ça fait que tu gagnes 3 points de victoire par guerre que tu remportes. J'adore toujours autant le jeu et les skins, mais plus de choses à faire et un équilibrage sur les bienvenus. Ouais, équilibrage, moi je suis vraiment... Moi, je me dis, il faut absolument équilibrer le truc, quoi. Ça va pas, sinon. Je pense que je vais prendre ça. Je vais faire pop mon pouvoir. Je vais pouvoir prendre la première carte de la pioche. Oh, c'est le chat, je le savais déjà. Si, j'ai déjà joué. Il a tous les symboles de la création, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai déjà joué apparemment. Ah, le chat. Non, mais t'as déjà joué, on a fait plein des parties la dernière fois avec, avec les enfants. Trois parties, victoire. Non, mais. Non, mais on a joué en physique au jeu. Apparemment, j'ai joué à des matos. À toi. Là, tu m'as repiqué le chat. Bah, je le reprends. Et plus de gains de cartes. Ouais, il faudrait presque. Pouvoir ouvrir un booster tous les jours, quoi. Au moins un booster tous les jours. Sinon, ça me paraît trop compliqué, quoi. Oh. Chanceux. Il a repris le chat.
I'm a tired eyes. I'm no angel. Alors, une carte jaune dans votre possession offre deux pièces au lieu d'une. J'en ai pas. YOLO. Voilà. Un point par carte chat, ouais, c'est pas ouf. Hein. Ouais, je sais. Je voulais faire du ninja avec le 4x12. Hop, on récupère la première de la pioche. Oh oui. C'est un joker. C'est un joker. Bah, lui aussi. Enfin, mais lui, le chat, il le savait. On va prendre le chat maintenant. Bien sûr. Alors là, moi, je prends le joker. Je prends le joker. Tu penses mettre full joker ? Je vais perdre. Ce jeu, je n'ai aucun feeling. No feeling. Bon, en tout cas, c'était quand même cool, ce petit déplacement appartenait. Ouais. On a mis quelques photos sur le Discord, je crois. Enfin, non, pas sur le site, on en a mis quelques-unes sur le Discord. Moi, j'ai pris ça, si, pour pouvoir construire, je l'ai dit. Mettre celle du taureau. Ouais, le taureau, c'était impressionnant. Oh, mais ça suffit, les gens. Et pour prendre 5 points de plus, ça lui fait quoi, 8, 8 et 8, 16. Ouais, je suis quand même devant, hein. 6, 11, 15, 24. 24. Ah ouais, vas-y, déclenche la guerre. Ouais, ça me sert pas trop, moi. Je te la laisse, comme ça tu déclencheras la guerre avec lui. Ouais. Ça, je vais prendre ça. Fais des points. Oh plus. Non. Je voulais garder le chat. Récupérer les cartes chat. Bah oui, toujours plus de symboles scientifiques, bien sûr. Ok. Mange ta guerre. Tu gagnes quand même deux jetons hein, grâce à moi. Parce que je suis pas en train de me tirer une balle dans le pied. Par hasard. Je deny. Double symbole scientifique. Je deny. L'autre. Non, je vais prendre au hasard dans la pioche. Il y a quoi ? Ah, bah tiens, le deuxième. GG. Allez, il doit être dégoûté. Ah, faut que je choisisse une autre classe pour me chauffer sur Diablo saison 1. Alors nous on a choisi, ça va être Nécro pour Lubli et ça va être Druide pour moi. Druide loup-garou sûrement. Je pense. Moi je vais partir sur un druide. Même si bon je pense qu'il faudrait faire Nécro à cette saison parce qu'à mon avis le Nécro va être toujours pété. Ouais mais il y a Nécro et Nécro. Ok, je ferai pas un druide. Mais tu fais ce que tu veux. Oui, parce que toi, t'as déjà joué druide. Quatre différentes. T'as fini l'histoire finalement ? Je sais pas s'il a fini l'histoire, je crois pas. Je sais pas encore, vu que je passe moins de temps sur rouge, je vais essayer de jouer une autre chose, ouais. Lol, non, acte 1 et 2 juste. Ah, il en manque un. Après, il faut que tu penses bien à connecter ton perso d'abord, avant de créer le nouveau. Parce qu'en fait, ça va retenir toute la progression de ton perso pour le compte. Donc, surtout aujourd'hui, là, tu connectes ton perso, et après, à 19h, quand la saison 1 va se lancer, là, tu pourras créer ton perso saisonnier. Oh, tu peux le connecter juste avant de créer ton perso. Oui, tu peux le faire juste avant, mais faut y penser, quoi. C'est à toi. C'est à moi. Moi je vais prendre du point de victoire. Hein. Lubi jouera quoi déjà tu as dit ? Nécro, nécromancien elle va jouer. C'est pépette je pense, même si c'est pas optique. Je sais pas, ils disent lance d'os, mais peut-être que lance d'os elle marche avec les bêtes, mais elle va jouer avec l'armée de squelettes, le golem et compagnie quoi. Elle est nostalgique du féticheur. Mm. Ça joue l'armée, hop, les ressources. Dans une ressource, j'ai fini et j'ai gagné. Ouais. Nécro, druide, barbare, et c'est quoi les deux autres ? Sorcier et voleur. Moi, sorcier, je le conseille pas, même si là, ils ont re-up tous les dégâts élémentaires, donc l'aspect feu va marcher un petit peu mieux. L'aspect glace va toujours marcher. Mais ou du moins, si tu joues sorcier, il faut jouer sorcier glace, quoi. Blizzard, éclat de glace, je pense que c'est le seul qui va bien. Barbare, l'aspect qui marchait bien, c'était marteau des anciens.
Et tourbillon, sinon, je crois, j'ai vu, c'est les deux spés que j'ai vu, tourbillon et marteau des anciennes. Le barbare, il a un petit côté satisfaisant. Le voleur, il est très, très, très mobile, très rapide. Des points. Bon, je prends des points. J'ai une belle cité. Je fais pas la guerre. Je veux l'amour et la paix. C'est rude. Hein. Un compas. Moi, je un compas. J'utilise un compas. Parce que dans ta vie, t'as déjà utilisé un compas. Ah, la loose. Dites-moi entre voleur et barbare, votez tous les deux SVP. Moi, je, entre voleur et barbare, c'est voleur pour moi. N'oubliez pas. Non, mais... je dis barbare. Juste pour faire chier. Non, je voulais que tu dises barbare. Barbare, j'aime pas trop la mécanique. Enfin, j'aime pas trop la mécanique. En fait, si t'as 4 ou 5 armes différentes et il faut switcher de... en fonction de la compétence que tu utilises, ça utilise l'arme associée. Oui, j'ai fait un niveau. Bon, j'aimerais bien finir. Quatre différentes, tu vas y arriver ou... Ouais, ça y est. Bon, ben barbare, seul la vie du oubli compte. Ben voilà, ça vaut pas le coup de demander les deux. Hein. Alors, je vous jure. T'as gagné, je suis sûr que t'as gagné. J'espère que j'ai gagné, mais je suis pas sûr. C'est rien. Ah non. Alors, c'est l'autre. Comment il a fait ça? Comment il est revenu à 13 après? Ben, il lui nous a fait la guerre, donc tout à l'heure, il a gagné 6 points grâce à ça. Ah, j'ai pas vu. Bien oui, joué à lui. Un point de karma. Bien joué à lui. Sur ce jeu. C'est combien de parties que je fais, sérieusement? Sérieusement? 3 ou 4 parties que j'ai jamais gagné. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Quitter la table de jeu. Tu veux faire un challenger? On n'a pas trop fait challenger sous les deux. Ouais, mais pas qu'à deux. Hein. Bah pourquoi? Ah, si, ouais, c'est plus rapide. Mais tu vas gagner. Non. Mais si. J'ai aucun feeling avec ce jeu. Les jeux, il faut connaître par cœur des cinématiques pour pouvoir les appliquer. Je n'aime pas ça. Moi je dis tu vas gagner. Moi je dis tu vas gagner. Et là ça marche. On fait season ça presse, tu vois. Quelle heure ça doit, on a le temps. Je vais essayer de suivre un peu plus de plus près la saison 1. Ouais, c'est l'occasion, de toute façon c'est le démarrage. Donc si t'es un peu plus en roue libre sur WoW là. Tu fais que tes raids et tes trucs. Welcome, elle est totalement de... branchée, non? Hein? La Welcome, elle est complètement branchée, non? C'est pas grave. Elle est très bien, là. Elle marche très bien, y a pas de soucis. Don't worry. Début de la phase de deck. Ah, j'ai déjà perdu. Pourquoi tu dis ça? Bon, allez. Première raid. Why are you chilling there? Ça, c'est pas mal, hein. Sur WoW, je fais que les festins sur les 10 persos et le druide principal. Pour le reste, je fais plus les vols. Ah ouais. Je pense qu'il n'y aurait pas eu Diablo, on y serait encore sur WoW, mais le fait que Diablo soit passé par là, c'était pas possible d'avoir les deux. Dans la manière dont on consomme le jeu. Diablo prend quand même énormément de temps. J'ai encore récupéré l'objet et vendu l'instant 90k. Ouais, ouais. Bien joué. Est-ce que le jeton a baissé? Ou est-ce que c'est toujours aussi cher? Ouais. C'est dur de faire les deux. Ouais, c'est même pas... C'est plus que dur, c'est impossible. Qu'est-ce que tu as joué? Je suis... curieux. Bam, shapeshifter. C'était quoi? Non, je stocke les PO. Vous pouvez dépenser une carte de votre deck pour sélectionner une carte supplémentaire. Ah, c'est quand t'achètes. C'est quand t'achètes. Oh, jongleur. A pris jongleur. C'est pas beau, ça. On laisse les cartes de la fête foraine. Toi, t'as suivi mes tutos. Non. Ah, mais tu as tort, voilà. Tu vas sur YouTube et tu regardes ma vidéo. Comment gagner sur Board Game Arena. Regardez les trois cartes. Alors, comment ça marche? Choisissez une carte du deck à placer sur le dessus. Du coup, ça va aller du plus. Il y en a une que tu vas mettre dessus et une que tu vas mettre dessous. Ah bon? Oui. Sur les trois cartes. Ah non, c'est pas celle-là. Celle-là, c'est. Tu regardes les trois cartes et tu les remets dans l'ordre que tu veux. 1, 2, 3. Au-dessus du deck.
Donc la E, ce sera Ah là oui, tout ok, en c'est haut pas ça. et ainsi de C'est suite. compliqué. Et le pouce en l'air, je le lis s'il te plaît sur YouTube. Oui, c'est important. Allez, c'est D'ailleurs, ça. on en a fait une vidéo qui est sortie hier. Sur Line It. À part si c'est nul. Oh, jongleur! Ah oui, tu joues jongleur. Ah, je suis jongleur. Combien d'exemplaires de cartes dans le jeu? 4. On dirait qu'il sait tout. Ah, bah j'ai poncé. Challenger, j'ai poncé. Champion. Ah, ça va pas m'arranger. Je savais pas. Là, je vais devoir jouer talent plus chien. Pour revenir sur le Et ça. paf, Il y a vache. la vache, il y a encore ton chien. Mais paf, champion! Mais t'as Voilà. encore talent plus. Plus chien. Oh, Joli. t'as consommé beaucoup de choses. Bon, 4 cartes. Oh, poli. Ouais, poney chien, c'est quand même fou. Poli, t'as plus le cœur. Tu Ah, t'as de la chance, t'as de la chance. calais. La première, elle compte pas. De toute façon, ça arrive. Petit poney, petit poney. Tu es Alors, gentil, tu es parfait. Petit poney, petit j'ai des cartes dont j'ai poney. entendu le nom, mais je sais pas qu'est-ce que c'est. Put up two cards from your Put up? bench. Please, put up? Please put Je vais jouer peut-être ça. Hein. Et on va enlever ça. Bon, on n'a pas du tout ce qu'il faut. On n'a pas du tout ce qu'il faut. Tu vas gagner, hein, tu vas voir. Hein. Bah oui, bien sûr. Ah, attends, je vais m'entraîner. Regarde, Benny, ce qu'on sait faire maintenant. Je crois que c'est ça. Non, c'est ça. Dernier, Hop. qu'est-ce que tu veux faire en dernier? Un sondage. Je Ah m'entraîne. oui, c'est le deck de la victoire. Bam, à la main. On n'a pas changé le titre. Noob. Ah, c'est Tu vois que mieux. c'est dur. Hein. Le Ouais, quand mec qui tu se prend joues. la table, il doit... Non, tu vas pas me le faire à chaque fois. Quoi. Plein, hop, petit sondage. Ça, je maîtrise. On vote. Bam, la vache. Cet amateurisme. Ah, l'ermite qui passe pas. Bam. Bon, t'as une chance indécente sur la sortie, quand même, en vrai. Hein. J'avoue. Bam. Il y a tout qui marche nickel, hein. Donc c'est bon, hein. T'as gagné. Hein. Ah, on s'en fout, t'as gagné. Passe. Non. Si! Perds pas du temps, fais pas comme les gens. Je vais gagner avec panache, ok. Il n'y a que deux votes, ils ont dit que c'était moi qui ai gagné. Faut que tu fasses continuer ou quelque chose. Continue. Sinon, on n'y arrivera pas. Est-ce qu'on pourra avoir des vraies cartes, par contre, s'il vous plaît? Parce que c'est un peu relou, hein. Alors. Non, on n'aura pas. Mais c'est abusé! C'est trop vite. C'est abusé! Tirage, tu pourras avoir. Ah, on peut prendre qu'une carte. Oh, la loose. La loose. Ah, la loose. Complètement. Je vais tenter, je sais pas. Alors, je joue n'importe comment. Ah, je te déstabilise. C'est vraiment pour te laisser gagner. J'avais pas vu le sondage en haut du chat. Bah oui, voilà. Moi, nous, on s'embête et tout, à animer le chat et bam. Ça sert à rien. Je vais faire un sondage pour voir qui voit le sondage. Tu peux. C'est pour moi qui commence. Bah, tu triches, parce que t'as plus de trophées. Oh, la rescue pod qui va marcher! Ça fait quoi? C'est trop fort. Remove this card, put the top card from the level B. Ah ouais, c'est pour une télé. Par contre, tu vas avoir un en haut de ta pile. Genre un, mais bon, j'ai gagné une carte de rang B. Mon clairvoyant veut mettre un 1. Mais oui. C'est ça hein, qu'il faut faire. C'est exactement ça qu'il faut faire. Voilà. J'espère que tu m'as pas dit des bêtises. Et là, j'espère que je vais avoir des trucs de fou. Comment je peux voir ce que tu gagnes? Oui, ça va s'afficher dans mon exhaust pile. Par contre, faut que tu joues.
Allez, que je te le fasse faire. Un sorcier. Bon. Ok. Jongleur. On va gagner. Ça en premier. Tu vas gagner grâce à ça. Sinon, je remisais sur Lubli quand même, il a dit. Hein. Ah, mais il y a quelqu'un qui a misé sur un quoi. Ouais, c'est pas très plaisant. Moi, j'ai voté pour moi. Hein. Bien sûr. Tchouk, 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 tchouk. Ça va, t'as lancé les jongleurs? Alors. Alors. Là, c'est stratégique. Ah. Je n'ai quand même de jongleurs. Oui, je sais. L'ermite qui fonctionne. À plus de maintenant. Oh. Oh. Ah, ça c'est moche. Ah, c'est moche. Ça va me manger mes deux vaches. Mais bim, l'ermite qui a mangé les deux vaches. Pam, le poney qui remange les deux vaches derrière. Pam, vas-y. Oh, le stable boy. Là, ça va être bon parce que là, c'est champion. Champion. Ah non. Champion. Ah, ça va être dur là. Ça va être dur. C'est le troisième. À 4 prochaines victoires, t'as gagné. Hein? Prochaine victoire, t'as gagné. 4 victoires automatiques, c'est. Ah ouais. Non, mais je vais pas gagner. De toute façon, sur Diablo, je bâcherai les quêtes sans regarder les cinématiques. Ça devrait faire gagner du temps. Je lirai les quêtes et les vidéos sur le main druid quand j'irai jouer dessus. Alors, il faut faire gaffe parce que du coup, il y a une nouvelle suite de quêtes qui va être spécifique à ça. Mais comme je t'ai dit, si tu connectes ton perso, tu vas pouvoir reprendre l'histoire au même point avec ton nouveau perso, je crois. Non, c'est... je connais pas la longueur de cette suite de quêtes. Calme-toi. Voilà, on va chercher ça. J'hésite hein, parce que c'est un peu. On va sortir ça. Oui, pour me sortir. Ça. Ils ont pu me redonner une vache, hein. Faire ça. J'ai pas cette carte. On va refaire après parce que là, j'ai vraiment pas de chance. Ouais. Bah, j'ai pas de chance. J'ai pas du tout la chance. Celui-là, 2-3. Mais tu vois qu'il est agréable quand même sur BGA. Oui. En 1 contre 1, c'est quand même. Il faut 6 places dans l'exhaust. Ouais. Non, l'exhaust pile elle est limitée, c'est sur le banc. Combien? 6. 6. Si t'avais vu ma vidéo de conseils et de stratégie sur le jeu, tu le saurais. Je vais voir si t'es un bon ou pas. Non! Y'a rien. Oh, d'ailleurs. Tu vois si t'es un bon, mais t'as vu le nombre de trucs que je fais? Je crois que j'ai pensé à toutes les commandes. J'ai des modérateurs en bois qui peuvent gérer ça, il n'y en a pas un qui le fait. Ah! Modérateur en mousse! En mousse! Je confirme, mon deck. Allez, gagne! Ah. La vache. Hop, on veut ça. Ah oui, vas-y, trie tes cartes. Bam! Ah, jongleur tour 1, c'est balèze. Vendeuse! Ça y est, enfin une, j'en aurai qu'une seule, donc je gagnerai pas avec une seule 22, ça ne suffira pas. Choose une carte et put on the top of the deck. Encore à toi. Oui, je sais, je sais, je sais. Ah, tu tries une carte encore? Mais oui, deux jongleurs. Deuxième tri. Alors. Deuxième tri. Il va avoir que deux, il va avoir plus à ton... Il va avoir que deux, il va avoir plus. Oui, on sort, on sort. Deux, deux, deux. Il va avoir que 2. Le shape shifter n'a pas de bonus. Donc il va avoir que 2. Hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le vache. Poney. Ah non. Ah non. Oh, le stable boy, bien joué. Un peu tôt. Ermite. Thierry. Oh, on a fait tomber chien champion. Deuxième poney. De toute façon, si je la gagne pas, celle-là, j'ai perdu. Sorcier, c'est bien. Et tu vas faire plus que 4, non? Je vais faire 4. Ah, ouais. Ah, deux chiens? Ah, ouais. Bien joué. Ouais. Gagné. Ah non, j'ai encore... Ah, t'as que 9 points. Il faut avoir 11 points pour gagner automatiquement. Comment ça? Mais pour l'instant, t'as que 9 points. Donc il faut encore faire un match. Bon, ah mais non, ok, c'est parce que t'avais pas mis... C'est ma première victoire. Ah ouais. Je vous la dédie. Rejouer.
Ah ouais, c'est la chose des débutants, ça va marcher à tous les coups. Même moi j'aime bien. Et c'est Challenger, ce point d'interrogation, d'exclamation. Oh mais dis donc, mais gros. Challenger, c'est une déclaration. Ah ouais, non mais... Incroyable pour toi, public. Après, il dit qu'il a des mots dans la mousse, mais... Quand on dit des choses, on se fait engueuler. Je comprends pas, moi. Faut que tu acceptes, sinon le jeu est démarré. J'ai accepté, mais... Non, t'as pas accepté. On le voit. On voit que tu slack à côté. Oui, je vais... Je suis ébloui. Je vais faire un truc sympa pour toi, mais... Mais non. J'en ai pas. J'ai déjà choisi mes cartes. Je vais trouver le YouTube, mais je ne tiens pas. Ah, je vais le faire, hein, le temps que tu choisis tes cartes. Hein. Ouais, dans le temps. J'ai au moins le temps de faire ça. Put up to new corner cow. There is at least one card we press for our range. Faut tout faire, hein. C'est terrible, hein. C'est une loupe, ça va. Attends. Non, non, non. Non, ça marche. Il y a juste à refaire une exclamation YT. Envoyer à la chaîne YouTube. Ça, c'est quand même pas compliqué à faire. C'est clair. Newcomer. Oh, okay. C'est pété. Ah, Movie Star. Ah, le make-up qui sort trop tard. C'est déjà mort. J'ai déjà perdu. Ah oh mais Jester, t'es parti sur la même strat, c'est pas beau. Ça, je pense que je t'entends jouer. Là. Oh yes. Ma rescue pod qui va marcher encore. Allez, donne-moi un director. Oh, un ghost, trop bien. Un ghost, un make-up artiste, c'est goldé. J'ai perdu. Bah non, là, t'es en train de gagner. Chier contre chier. Non, champion. Champion, champion. Mais non. T'as un champion. Ah mais là, maintenant, j'ai perdu. Ça va, voilà, j'ai encore perdu. Je fais que perdre dans ce jeu de toute façon. Plus j'y joue, plus je perds. C'est pas vendeur. Non, c'est pas trop. C'est pas très vendeur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça. On prend ça ou on prend ça en vrai? Tu bugs. Bah, je réfléchis. Au niveau de du son, tout va bien en fait. J'ai pas demandé. Pour le stream, la musique, les voix, tout ça. Les gens. Les gens. Ah là là. Tu vois, on est passé sur la solution dont on met le micro au milieu, donc il capte tout le monde. Ça a l'air de passer. Nickel pour ma part, à part ta voix. Ah, c'est bizarre parce qu'elle elle est plus forte que celle de Lubli. On m'entend moins, c'est ça? Intéressant. Il est tourné vers moi là. Non, je déconne. D'accord. Ah oui, à part ta voix. Okay. D'accord. Ok. Tu vois le genre. Mais là, ça fait trop de cartes différentes. Comment je vais m'en sortir, moi? Eh ben, tu vas perdre. Tu as trop réfléchi sur la colle. Ouais. Ça, c'est le problème quand tu lis, des fois, tu analyses trop la phrase et tu réfléchis pas au sens. Tu sais qu'elles sont traduites, les cartes, hein. Ouais, ouais, je sais. Bon, je suis vilaine, moi. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien.
C'est pas moi qui explique mal, c'est des autres qui sont cons. Contrôle widget. On tape tout le monde. Cette carte unique là, bon, allez, on essaye comme ça. Ça doit dépendre de la cam. Ah, juste l'oubli est plus lumineuse que toi au sein. Oui, oui. Elle a une caméra de moins bonne qualité. Moi, j'utilise mon téléphone là maintenant. Et c'est mieux, mais du coup, mon téléphone il est monopolisé tous les jours là-dessus. Donc, on va falloir qu'on investisse sur des caméras. Petit à petit. Mais c'est pas gênant. Non, mais bon, c'est vrai qu'elle ressort un peu blanc, quoi. Ouais, un peu. Un peu blanc. Il crée des couleurs. Alors. Oh, trésor, c'est pété. Trop fort. Putain, mais t'as trop de chance en fait, ce jeu. Tout garde from your field. Ah oui, Eldos. Mais j'ai pas de truc pour Eldos. Le majordome. The battle. Et bien évidemment, hein, toutes les cartes qui sortent avant les make-up artistes, hein, sinon c'est pas drôle. Faut aller au soleil, Lubi. Bah oui. Allez, pile. Un newcomer en moins. Ça me va bien. Bon. Ouais, là, c'est bon. Champion, il nous reste quoi? Deux newcomers qui devraient faire l'affaire. Qu'est-ce que ça fait, ça? Oh. Hop. Deuxième make-up artiste. T'as plus de place. Mais si, c'est un pile, le make-up. Tiens. J'y crois pas. Ouais, mais tu vas gagner aux cartes encore. Mais j'ai un peu plus, quoi. Et avec ta dernière recrue ou je sais pas quoi, et ton deuxième movie star là. Non. Putain, mais je suis vraiment maudit quoi. Pourquoi j'ai gagné? Mais parce que j'ai plus de cartes. Mais qu'est-ce que. C'était pas un plus 4 qui avait en place? Mais non, le make-up il booste l'attaque, il booste jamais la défense. Donc après les newcomers ils reviennent à 1. Mais bon, oui. Normalement t'es censé éliminer plein de cartes avec ça. Et comme je suis maudit. J'ai trop de chance. Ça veut pas quoi. Je vois pas d'autres explications. Wow. Ah, là, là, ça va parler. Là, oui. Là, je vous dis, ça va commencer à chier sévère. Et non, 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 j'avais marre d'être gentil, tu gagnes tout le temps. C'est pas normal. Ah, tu sais ce qu'il faudrait que je rajoute, en fait, ça y est, j'ai l'illumination. Un petit cercle en dessous du cadre pour les victoires. Faire une espèce de petit compteur autour des cadres. Alors. Je vais faire ça. Je vais garder ça, c'est rigolo. Ah non, mais je peux en prendre qu'une, voilà, c'est sûr que je prends ça. Est-ce que j'enlève? Ça fait trop de cartes, mais. Moi je suis bien. Là j'ai eu un bon. Moi, je pense que tu vas la gagner celle-là, mais ça va. J'ai eu un bon draft. Bah là, si je gagne pas avec ça, j'arrête de jouer. On change de jeu. J'ai envie de. Je pense que c'est mort, bon, mais on va voir. Alors. La réorganisation tour 1, quoi. Ouais. Le plaisir. Le plaisir. Ah, tu me diras que tu triches pas. Moi je suis content de la dispo là, tu vois, on a bien trouvé le truc. Ah, il y a un make-up. Il y a déjà une recrue qui est passée dans le vin. Oh. Championne, championne. Trésor qui passera pas. Ouh, Lion. Oh non, mais pas la deuxième recrue comme ça. J'en ai 4 des make-up artistes. Hein. Non, mais j'ai un petit perdu. J'ai... S'il vous plaît, quand même, voilà. Faut que ça sorte là quand même. Ah oui, t'as enlevé beaucoup de cartes là. Ouais. Effectivement. C'est pas grave, c'est pour mieux gagner après. Waouh, ouais, t'as misé que sur des grosses valeurs? Non, mais je. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. J'ai misé sur la suite. Je me doute, ouais.
Mais quand même. Ici, qu'est-ce qui peut être pas mal, ça, peut-être, hein. On va partir sur ça. Là, ça commence à sentir bon, quand même. Quand on n'a pas de technique, faut y aller à la zob. Je suis à deux doigts d'enlever ça, quand même. Quand on n'a pas de technique, faut y aller à la zob. C'est vrai que du coup, de ne pas avoir le casque, on n'a pas le son. J'ai pas le retour audio du stream. Ouais. Mais du coup, quel confort de pas avoir le truc sur les oreilles. Vous vous rendez pas compte, en fait. Quand on fait beaucoup d'heures dans la journée, c'est le casque ou même les AirPods, hein, c'est compliqué. Ah non, mais pas vrai, la recrue, quoi. Bam, laissez par le micro. Ah, ça m'énerve. Je tombe deux recrues, hein, quand même. C'est vraiment pas de chance. C'est bon, non? Je me doute. Ouais. Franchement, le casque, à force, ça calme. Je pense que tu peux pas mettre ton retour sur les haut-parleurs, sinon ton micro chope tes haut-parleurs et c'est le bazar. Donc. Mais je me suis trompé, je pense. Après, c'est pas trop grave dans le sens où. Même si j'ai perdu les recrues, j'ai quand même les make-up qui se boostent entre eux, mais bon. Je pourrais faire mieux quand même. J'avoue que j'ai souvent le casque au boulot pour écouter mes podcasts, je suis habitué. Ah ouais. Make-up plus la bombe, ça reprend. La bombe, c'est fort. Hein. Ouais, le trésor qui va marcher, ça, c'est pas mal. Chien, make-up, ok. Pas foufou. Ah, notre bombe. Ah, bah t'es. Bombe contre bombe. Ah, mais là, t'as plus 2. Oh, nécromancien. Eh, hey, tu peux remettre une bombe. Bah non. Ah, c'est Power 2. Ouais, je confonds avec le vampire qui remet des cartes de niveau B. Power 2, bah tu peux remettre un trésor. Hein. Est-ce que c'est utile? Non. Tu peux remettre un reporter qui redraft tes cartes. Pourquoi non, c'est pas utile. Parce que c'est toi qui as déjà la main, donc en fait je vais reprendre et tu sais pas si avec le trésor ça suffira. C'est okay, bah t'es à 5 contre 4. Si, tu gagnes. Mais en défense, du coup, j'aurai 4. Oui, et donc je vais reprendre, et derrière tu vas rejouer un trésor, et tu sais pas si ce trésor sera suffisant pour reprendre, et donc il ne bénéficiera pas de son bonus dans sa phase de défense. Ce qui est intéressant quand tu remets le trésor, c'est que tu le rejoues de suite, et tu sais que tu reprends la main, et tu sais que son bonus va... Et non, t'as déjà 5. Tu ne le repiocheras pas. Ah si, mais je vais le repiocher direct. Bah vas-y. T'as déjà gagné, donc tu ne vas pas le repiocher, c'est sûr et certain. Tu le repiocheras quand tu auras perdu le drapeau. Et ça sera ta première carte, donc si ma carte est plus forte que 2, ben... Bah, tu n'auras pas le bonus du trésor. C'est une seule carte. Oui. Une seule. Ok. Moi je joue. Et. Ah ouais. Non mais là ça va marcher parce que derrière c'est qu'une plus 1. Et oui, t'as pas mal de plus 1. Mais. C'est un pari quoi. Alors que dans l'autre sens c'est sûr que ça passe. Moi je voyais pas trop d'intérêt du reporter. Ouais, tu vas gagner aux cartes. Hein. Ah, j'ai le ghost, quoique le ghost il peut m'aider, parce qu'il va t'enlever une carte. Ah, t'as dit des gros mots. J'en ai enfin gagné une, hein. Sérieux. Un dieu. Ça fait deux, j'en ai enfin gagné une, non. J'en ai enfin gagné une, tu rigoles. Incroyable. Oh, c'est bien ça aussi. Faut jouer ça. Jouer ça et on va sortir ça et on va sortir ça. Là on est bien. Et là on est bien. Deux partout. Ouais, effectivement j'en ai gagné deux. Je pensais ouais. N'avoir gagné qu'une seule. Ouais, t'as gagné deux. C'est compliqué. Mais non. Est-ce que je vais vers ma première victoire du jour? T'as gagné combien de fois? Double? Mais double, ça compte pas! Double. Mais double, t'as gagné à la fin en plus! Non? Bon, pas compte, je me rappelle plus. On va regarder le replay. Qu'est-ce que je peux défausser?
On peut pas les trier par ordre croissant, là c'est pas possible. Non, enfin, tu peux les trier par ordre chocolatine. Non. Non, ça, c'est pas possible. Mais je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça. Elle va le faire. Elle l'a dit. Terminé. Elle a dit je vais faire ça. Aïe aïe aïe. Oh. Oh non, mais c'est pas vrai, encore la recrue au premier tour, mais allez. J'ai une chance, oui. Oh, ça m'énerve. Bon, par contre, le directeur, ça va faire mal, je te le dis. Pourquoi? Ah, bah, s'il va booster toutes les vertes derrière, bam. Pourquoi toutes les vertes? Eh, parce que c'est le pouvoir du directeur, donne plus 1 en attaque à toutes les vertes. Le reporter. Ouais, le reporter boosté par la bombe qui reprend. Entre deux fois de suite, je choque mes deux recrues dès le début. Là, j'ai gagné déjà, c'est ça. Hein. Là, t'as déjà gagné. Donc à toi de voir si tu veux mettre une très grosse carte ou une petite. Oh, ou une carte à effet. J'ai pris une carte à effet, j'espère que je ne suis pas trompée. Je crois que c'est bon. C'est le problème de la stratégie make-up, là c'est très fort en attaque, mais ça défend pas du tout, donc il faut plus de cartes que les autres. Tu remets le reporter? Ouais. Ok. Là, le dernier tour m'a permis de mettre le micro, hop. Il permettra de remettre un... Et il n'y aura pas le reporter. Ça me va, hein, mais j'ai trop de cartes de toute façon pour le bar, donc... Ah, donc ça t'aide. Ouais, j'ai joué sur ça. Ah. J'ai pas assez de boulot. L'avantage de la stratégie make-up, c'est qu'avec une carte, tu reprends à chaque fois, donc ouais, quasiment sûr de reprendre. Ah, le trésor qui passe. Ouais. Mais derrière, il faut avoir plus de cartes que l'adversaire pour gagner, sinon... Oh non, pas cowboy, qui m'enlève mon cowboy, mais non. Mais j'y crois pas. Non, mais c'est indécent, quoi. Et là, elle fait que 1, j'ai forcément... Ouais, moi j'ai plus, hein, c'est sûr. C'est sûr et certain. Allez, ça y est. Ça y est. Il devrait y avoir une carte. Enlève toutes les cartes 1 du paquet de votre adversaire. Ah, bien sûr. C'est pas mal, ça. C'est une bonne idée. Pas proposé pour l'extension. Ouais. Truc indécent, quoi. Ça ne me plaît pas des masses. Ça ne me plaît pas des masses. On va peut-être le prendre quand même. On va enlever ça. Confirmer le deck. Oui, c'est un peu. Confirmer le deck. C'est pas trois fans qui vont faire gagner la partie à deux joueurs. On va faire ça. Si vous avez des questions dans le chat sur la plateforme Béja ou sur les jeux auxquels on est en train de jouer, là on est sur Challengers, n'hésitez pas. Et je vais rester à nous taguer dans le chat et on répondra à vos questions. Si vous découvrez la chaîne, sachez qu'on fait aussi du YouTube. On fait plein de vidéos sur les jeux de société, sur les jeux vidéo. N'hésitez pas. Et encore une fois, recrue. Oui, encore c'est... une fois. C'est trop fort. Mais c'est scripté. Avec... C'est scripté complet. Merci, quoi. Oh, mais non. Et les lions, c'était moi. Ah, voilà. Oh, là, j'ai perdu. Oh non, cowboy. Deuxième recrue. Allez. Non, j'ai perdu. Make-up director. Ça coûtait trop cher ce deuxième tour. Trois cartes, c'est... Ah, Lupine. Make-up. Ça suffira pas. Non. Là, ça va suffire. Là, ça va suffire. Petite bombe. Petite bombinette. Choisis bien ta carte. Lubrinia. Faut aussi nous rajouter un ami hein, sur BGA. Armicron ou Lublinia. Si vous voulez jouer avec nous. Confirmé. Comme par exemple c'est mardi, je crois qu'on a fait toute l'après-midi avec des viewers. C'était très sympa. C'était hyper sympa. Et hop. Oh, oh boy. Bonjour, est-ce que vous faites aussi de gros jeux Beyond the Sun, Ark Nova, Wingspan? Salut, Ténérette, et surtout, bienvenue.
On n'en fait pas pour l'instant. Enfin, nous, on est habitué à faire des gros jeux à la maison. On aime beaucoup ça. Donc, typiquement, Ark Nova, Wingspan, on a. Beyond the Sun, on y a joué sur Board Game Arena. Mais c'est vrai que sur les sessions, quand on fait l'après-midi, on ne lance pas forcément des gros jeux. Après, si ça plaît aux gens, on pourra en lancer. Hein. Moi, Beyond the Sun, ça fait partie des jeux que j'ai envie de retester là sur BGA. Parce qu'on y a joué il y a un petit moment quand il était en anglais. Là, je crois qu'il est traduit maintenant. Ah, il est traduit. Je crois que les cartes sont traduites en français. Donc, c'est une possibilité. Pour l'instant, on ne le fait pas. Parce que moi, j'avais un peu peur de monopoliser l'après-midi que sur ça. Genre, lancer un Ark Nova, on est parti pour 1 heure. Enfin, j'exagère, je sais pas combien de temps il met exactement sur la plateforme, mais ça pouvait prendre un peu de temps. Mais c'est des jeux qu'on aime bien aussi, ouais. Ah, c'est surtout des jeux qu'on joue beaucoup en réel, on joue beaucoup à des gros jeux. Voilà. Si, 1 heure, ouais, voilà. Donc, j'avais un peu peur de partir sur des gros trucs comme ça et que les viewers ils arrivent en se disant, bon, attends, là. Puis en plus, Ark Nova, si t'arrives au milieu. Il y a comment ça s'appelle? Victory Point qui fait ça sur BGA, il en fait. Un anglais, ouais. Et c'est en anglais, donc nous des fois on va le raid un petit peu, on va le voir. Et ça me paraît un peu obscur quoi. Donc nous on avait envie de rester. Le but de la chaîne c'est de jouer avec la communauté. Donc de partir sur des jeux qui vont être un peu plus light, entre guillemets. Même si des fois on fait des trucs un peu plus longs, mais c'est Ouais. vrai que là tu vois Seven Wonders Architect, Kingdom Builder, ça reste quand même correct en termes de durée. Seasons, c'est bien. Seasons ça peut être long, hein. À 4 ça peut être long quand même. C'est Mais après, j'ai pas dit que c'était pas cool. trop cool. J'ai dit que ça pouvait être long. Mais après, on aime bien les gros jeux. On dirait pas que t'as gagné. Oh, le jeu suivant. J'ai gagné. En tout le cas, Ténéret, si t'es un habitué de la plateforme, n'hésite pas, hein, à nous rajouter un ami. Et s'il y a des jeux que tu connais pas ou que tu veux voir, voilà. Hein. On partagera ça avec plaisir. C'est quoi tes jeux préférés, toi? T'aimes bien les gros jeux, bien velus? Conspiracy. Ah bah Conspiracy, c'est trop bien. Ah, c'est un petit jeu pour le coup, Conspiracy. Conspiracy, on aime beaucoup, hein, Conspiracy. C'est partie des jeux qu'on joue souvent. Hein. Tu vois, je l'ai dans les raccourcis. Là, il y a Bunny Kingdom, moi, que j'aime bien dans les jeux un peu moyens, on va dire. Hein. Acropolis, c'est cool, très cool, Acropolis. Bah là, si t'es dispo, vas-y, hein. Enfin, nous, tu m'envoies une demande d'amis et on lance un Acropolis, hein, si tu veux. Ça fait un moment qu'on n'y a pas joué. Enfin, un moment. 2 semaines, même pas. Acropolis? On y a joué il n'y a pas longtemps, non? Avec les amis. IRL, ok, t'as IRL. joué il y a 10 jours. J'ai du mal à avoir la vision sur Bunny Kingdom. Ah, il est vicieux comme jeu. Et faut y avoir joué pas mal de fois, quand même. Hein. Je pensais pour bien maîtriser le truc, mais c'est sympa aussi. Enfin, moi, j'aime bien. Contrôle Et de puis il n'est territoire. pas tout à fait pareil à 2 et à plusieurs, et à plus que 2. Oui, à 2 et à 3, ça change beaucoup de choses en plus. Ouais. Parce qu'à 2, tu discardes des cartes secrètement, donc il y a des lieux qui sont indisponibles pour l'autre joueur, mais l'autre ne le sait pas. Et enfin, pour tout le monde, mais du coup l'autre sait pas qu'est-ce que tu as discardé. Alors que à 3 ou plus, tu es obligé de jouer une carte que tu possèdes. Des fois, t'as pas forcément envie de jouer une carte. C'est un peu. Je trouve pas du tout orienté de la même façon à 2 et à plusieurs. C'est pas pareil. C'est clairement pas pareil. Il est où cet Acropolis d'ailleurs? Je le vois pas. J'ai joué moi déjà sur BGA. Mais moi j'y ai joué plein de fois donc. Ah mais il est là. Il est là. Bam, bam, bim, bam, bam. Tu vas en lancer un peu du coup Acropolis? Oh oui. 15h. 15h. Oh, déjà. Ah, ça passe vite, hein. Ça passe vite. Hop. Mais on en parlait, on va en lancer un hein, Acropolis. Parce qu'Acropolis, c'est quand même un jeu assez rapide, entre guillemets. Choisis des Oh, tuiles, on j'ai pas compte. entendu le. On compte, on compte. On construit sa ville. Let's go! Ah! Désolé, un autre joueur a fait la même action au même moment. Très bien. On va voir le jeu. Petit bug Non, je d'affichage. pense que j'ai jamais joué sur le jeu.
Alors c'est rigolo parce qu'on était appartenés et il y avait une petite animation Board Game Arena, on est passé les voir, mais il n'y avait pas de responsable présent sur le site, c'est dommage. Mais ils faisaient une espèce de mini tournoi là. C'était rigolo à voir. Du moins de voir que voilà que Board Game Arena commence un peu à s'installer un peu en dehors de la plateforme quoi. Essayer de gagner en visibilité. Tu choisis la tuile, après tu la tournes, comment ça marche? Tu choisis l'hexagone que tu veux poser à l'endroit où tu veux le poser. Et après tu peux la tourner si vraiment ça te plaît pas. Tom il a beaucoup de mal à placer ses tuiles sur à chaque fois, il peste. Moi j'ai eu du mal au début, mais maintenant que j'ai compris le truc, ça va. J'ai déjà du mal. C'est toi qui a démarré en premier, donc c'est moi qui ai un peu plus de cubes. Moi ça marche. Tu cliques sur l'hexagone parmi les trois de la tuile que tu veux et tu le mets dans le trou où tu veux le placer. Et après ça tourne dans un sens ou dans l'autre. Non? Toi aussi? Il n'y a que moi qui ai pas trop de mal là-dessus? Non. Bon, moi j'arrive pas à la mettre où je veux, mais je vais y arriver. Tu veux jeter là? Mais c'est quoi? Mais là je veux juste tourner d'un quart. Ça tourne autour d'une sphère. Ok, ça y est, c'est bon. C'est le point de centre. L'hexagone que tu choisis, c'est le point de centre. Ok. Je vais y arriver. Non, ça me... Non, mais change là-haut, là, ta sélection. Voilà, ça y est. C'est là-haut qu'il faut choisir l'hexagone, en fait, que tu veux placer comme il faut. Mais j'ai compris. Du coup, jaune, c'est entouré. Non, c'est adjacent à aucun autre. Jaune, c'est tout seul, rouge, isolé. Enfermé. Je vais tenter une nouvelle strat. Et moi aussi, j'aurais bien aimé changer aussi un peu. Désolé, hein, pour ce petit bug d'adaptation. Je vais quand même prendre celle-là. Hein. J'avais pas compris la subtilité de la double sélection. Confirmé. Code de 48, ça va, t'as pas trop joué. J'ai joué, mais j'ai beaucoup perdu. J'ai pas réussi à beaucoup gagner. N'hésitez pas à nous dire dans le chat quels sont vos jeux préférés. Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous jouez uniquement sur BGA ou est-ce que vous jouez aussi en physique? Nous, on fait beaucoup les deux maintenant, mais sinon, on joue beaucoup en physique aussi. Avec les copains, quand on peut les voir. Quand on peut les voir, exactement. Ouais, c'est pas tout le temps le cas. Ça. Je vais tenter autre chose un peu. Non. Non. J'entends 8 clics pour poser une tuile, c'est se placer en deux normalement. C'est drôle, mais elle a compris. Hein. J'ai compris. Mais bon, quand même. Ça va y aller. Hein. C'est le temps que je m'adapte. Tu veux que je te mette la boîte à côté avec les vraies tuiles pour que tu te représentes mieux? Pas beau de se moquer. Bah non, c'est pas beau, mais c'est drôle. Ils entendent pas, eux, les clics. En gros, je pense que c'est peut-être que si qu'ils les entendent. Peut-être que si. T'as des étoiles déjà? J'ai des étoiles, ouais, j'ai des étoiles. Ouais. Quelques petites étoiles, ouais. On a récupéré des cubes. J'ai combien de cubes que j'ai posé? C'est possible. Avec un Space Mouse pour faire tourner plus facilement. Alors là, il faut être du milieu pour comprendre la Space Mouse, tout le monde n'aura pas la ref. Ça va, je l'ai, mais... C'est une souris qui tourne... C'est les souris 3D, là. Enfin, c'est une balle, comme une balle. Mm-hmm. C'est pas mal pour la navigation 3D, ouais. Oui, la ref est pas facile. Ouais, non, c'est pas facile, clairement. Clairement. Ah, on l'a perdu. Que je trouve une petite emote de tête qui fume à être rajoutée sur ta cam ou un truc comme ça. Mais non. Bah si. Puis c'est pas grave de perdre. Hein.
Ça arrive même au meilleur. Hein. Non, mais pas moi. Face au manga, ouais, voilà. Confirmé. Le petit corbeau qui passe derrière. En plus, quand tu joues, tu vois pas. Tu vois pas très bien. Parce que c'est comme c'est grisé pendant que t'es en train de me placer. Ah, moi je dis que t'es en train de te plaindre. Si peu. Ça coûte 2 quand même. Il n'y a pas d'étoile. Bon, je pense que je vais le prendre quand même. Reste 2 cubes, beaucoup, ça va. J'ai beaucoup de choix. Oui. Tu as le choix. La tête qui fume. Ouais. Les rouges, je peux mettre adjacent. Il faudrait mettre le. Je sais pas comment c'est, le Snapcam là, ou je sais pas quoi, qui permet de mettre des filtres. L'application. Mais c'est bon. Mais c'est bon, laissez-moi. Hein. Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi réfléchir. Est-ce que je vous embête, moi? Ça fait ça, ça fait ça. Ok. Ok? Ouais, c'est bon. Et pourquoi mélanger des cubes? On mange pas de cubes. Je crois que je veux plutôt ça. Par contre. Donne donc. Ça me l'avait dit. J'ai pas de cubes. Les étoiles, elles sont après. Ça c'est pareil, je pense que c'est un jeu qui te plairait bien, Benny, Acropolis. Pour ton esprit de réflexion. Faut savoir que Benny est un très bon joueur d'échecs. Parce que ça marcherait pas mal. Vous en refaites des jeux là avec la famille? Est-ce que vous avez réussi à continuer la tradition du samedi ou pas? C'est nul, 8 points quoi. C'est pas terrible. J'avais pas vu le résultat. Hein. J'avoue que 8, 8 points c'est pas ouf ouf. Je savais pas que t'avais les résultats en instantané. T'as des points, t'as des cubes. Pas en ce moment, on fait plus de promenades avec le chiot. Et ouais. Il se porte bien ce petit chien qui vient d'arriver à la maison. Pas trop la guerre avec le Pichou du coup. Je veux les 3. Ah, tu peux en prendre qu'une seule. Après tes premiers jours, tu en auras 2 sur cette rivière. Ouais. Je n'en aurai pas 2. Je n'aurai qu'une seule sur la rivière. C'est plus. Non, tout va bien, à part la tapisserie de l'entrée. Aïe, 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 aïe. Il a fait des griffes dessus. C'est le risque. Hein. C'est le risque. Ouais. Non, mais t'as 20 000 points en vert déjà. Moi je suis pas mal, je suis bien dans la partie, solide sur les appuis, tout ça. On est bien. Je peux pas le prendre. Elle est très bonne cette vieille tapisserie à mâchouiller. Ah, toi aussi tu la mâchouilles? Comment tu sais qu'elle est très bonne à mâchouiller cette tapisserie? J'ai dit elle est très bonne à mâchouiller la tapisserie. C'est pas bon pour ta santé, mais je la fume. Quand il se déroule des grands laits de tapisserie, il les fume. Avec la colle à l'intérieur, tu dois être bien. Après, il va te dire, j'ai mes allergies, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est trop compliqué pour moi. Mais tant pis, je fais ça, c'est nul, voilà. Oh là là. Super. C'est le move qu'il fallait pas faire. C'est le move qu'il fallait pas faire. Oh, tu dis ça, mais arrête. Tu te stresses pour rien. Je fais n'importe quoi.
Allez, enchaîne. Faut le mettre par là-bas. Ajuster la caméra avec un drag sur le bouton. C'est un glissé. FK téléphone, ça marche bien. C'est à toi. Your turn. Your turn. Tranquille, je te laisse le vert, même du point en vert. Surtout si tu fais que du vert dans ce jeu, tu peux gagner. C'est bon. Tac-tac. Alors, je précise qu'on peut quand même communiquer en anglais, on sait jamais. Il y a beaucoup de gens étrangers qui nous regardent, donc on le précise. Que même si vous êtes anglais, vous pouvez quand même nous mentionner dans le chat et on fera de notre mieux avec notre plus bel accent. Ouais. Mais Mire appartenait, on s'est moqué de nous. On a parlé à une personne, elle nous a dit, elle nous a fait, hein, vous êtes du sud, vous. C'est quoi qui te fait dire ça? Toulouse, non? T'as pas de Toulouse, hein? Aïe, aïe, aïe. C'est pas bon. Les gens, ils se moquent, ouais. C'est pas sympa, hein. Il y a vraiment plein de trucs bien, hein. Je sais pas quoi choisir, moi. J'ai fait un choix au début, tellement. J'espère. I hope so. The game is not lost, Lublin. You can do it, Lubli. Ouais, mais j'ai fait le choix de couvrir ma source au milieu, là. Dès le début, et en fait, je fais du bleu maintenant. C'est complètement ridicule. You can do it. That's right. You have to believe in it. Make your dream come true. Bon, du coup, tu nous as pas dit, Ténérette, tu joues beaucoup à BG1, tu joues en vrai, les deux. Je lurk, non. Ah non, je joue avec mes collègues une fois par jour. Oh, c'est cool. C'est pas mal, hein, déjà. C'est propre. Hein. C'est pas terrible, ça, que tu m'as laissé. Oh, si, c'est pas trop mal. Il faut que j'arrête de me plaindre. Ouf, je vais me faire le huer. Le mec, il a 20 000 points en vert. On va lui faire 9 x 4, 8. 36 au lieu de 24. Et il est pas content. Je t'avais dit que j'allais me faire huer. Mais bien sûr. Je suis un spectateur dans la partie. Ah, d'accord. Ah, ok. J'arrive pas à le voir sur la partie qui est spectateur sous ou pas. Sous ton nom, t'as écrit là, spectateur, après. Sous mon nom. Sous tous tes milliards de points marqués. Ah oui, spectateur, Ténérette, quel gros naze, c'est marqué en gros. Hier, on avait Onyx aussi. J'avais pas fait gaffe à ça. Ok. Effectivement. Raison de plus de laisser un petit peu la fenêtre de jeu. C'est pas mal quand même le display là comme ça, je suis content. Et Rebéni. Rebéni. Allez, je joue ça. Tac tac tac. Je vais monter encore. Hein. Ouais, niveau 8, fais un gratte-ciel, vas-y, la tour de Dubaï. Vends-nous du rêve. Les jaunes ne doivent pas être à côté, les rouges en périphérie. Et les violets entourés, je suis un peu mal barré quand même. Parce que là, si je mets en rouge, c'est forcément mon violet qui va être entouré. C'est pas le bon play. Si je me mets là, c'est moins bon. C'est moins bon. Mais c'est pas grave. Merde. Pardon. Chut. Je m'énerve, mais merde. Non, c'est même pas pour voir, je m'énerve. C'est pas... pas d'être un violet donc... Bon, il va falloir que je m'évertue à entourer ce violet, sinon ça sert à rien d'avoir essayé de faire un violet.
34-60 janvier. Mais je jouais. On va voir si on arrive à faire un peu ce qu'on veut, mais je pense pas. Je ne pense pas. Ah, oh, si, quand même. On nous l'a laissé. Bleu ? Bon, c'était que 3 étoiles, hein. Ouais, j'aime bien. Ok, il en faut 3, 27. Un détail. Petit détail. J'ai jamais eu autant de cubes dans une partie. 9. Par contre, on n'a jamais joué avec la variante sur ce jeu. C'est quoi la variante? Ça change un peu les manières de calculer les zones. Ah oui, oui, le verso quand c'était un. Oui. J'avais pas suivi sur ça. Confirmé. Oh, 9 cubes, mais le mec, il fait ce qu'il veut, il se tombe. La balade. La balade dans la Grèce antique. J'ai croisé Léonidas. Et il veut te considérer côte à côte, je crois. Bon, là, c'est peut-être un peu perdu. Non, c'est pas aïe, bon. Aïe, aïe. Si, mais ça marche. Ah non, il est à côté de lui. Je peux pas mettre là, je peux mettre là. Donc le jaune en hauteur, c'est moi. Non. Je suis désolée, hein, t'avais espoir, mais. De quoi? De la tuile? Non, Émérette, il avait espoir que je puisse revenir, mais je crois pas. Non, je crois que non. Tu reviendras pas. Je crois que tu reviendras pas là-dessus. Parce qu'on va récupérer une caserne, une deuxième étoile. Ouais, t'as bien trop de points en vert. Un des points en vert, c'est hallucinant. Je pense pas à monter. Il reste combien de manches? On le voit ça? Pour toi, zéro. Wow, comment elle est méchante! On est à 64% de promotion, donc il doit rester quelques tours. Bon, là, il y avait fait 4 piles restantes. 4 piles restantes, on en prend 2 par pile. Je pense qu'il reste 8 cartes à peu près. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? C'est écrit. Au vu du nombre d'étoiles possédées. Et oui. I know. I know. Ah non. C'est pas celle-là. J'ai glissé, chef. Oui. Elle est belle au moins ta ville. J'ai même pas regardé. Dégueulasse. Ah, elle est marchande. Marchande et militaire. Ça manque un peu d'étoiles. Un peu pieuse, mais ça manque d'étoiles. Bah, ouais, par contre, en vrai, pas sûr que ce soit. Je sais pas si c'est vraiment si perdu que ça. Hein. Moi, je me méfie, Lubli, elle arrive toujours à gagner à la fin. C'est vrai que ça se voit, il a peur. Là, un peu, non, mais justement, j'étais en train de m'endormir et bam! Backstab. Ouais, je réfléchis à qu'est-ce que je veux comme tuile. Qu'est-ce que je veux comme tuile? En vrai, ça c'est pas si mal. Ça c'est pas si mal, ah, ça c'est pas si mal. Pas vrai qu'une tuile là, du jour. Ah, ça c'est vraiment la lourde. Bon, je vais fermer un temple, ça sera fait. Est-ce qu'elle va revenir? Non. Dans la partie. Ah, oh, je voulais celle-là. Ah, ben voilà. Je voulais cette tuile. Ah, la tuile. L'autre, il s'est déjà préparé des zones avec 3 blancs, tout le monde. Je crois qu'elle fait crâler. On dirait, moi. Je râle pas. Je vois pas de quoi tu parles. Donc, des faits. Je vais tourner mon plateau de jeu, peut-être je verrai mieux. Oui.
Après, tu vas te rendre compte que c'est moins bien, parce que moi, chaque fois que je l'ai fait, je me suis dit, ah, je voudrais le remettre comme avant, il n'y a pas de bouton facile. Il n'y a rien initialisé la nuit. Ah, je l'avais pas trouvé. Je sais, c'est comme spectateur. Je t'apprends quelque chose si tu veux. Ah. Bon, on va prendre celle-là, hein. Si on a le choix. Je pense que là, c'est Rose et Michel. Fais gaffe, quand même. Dans le jeu, le bon, c'est Michel. Confirmé. Ça fait pas 3 fois 2, c'est 6 points. Ah, c'est toujours mieux que 0. C'est nul, mais c'est nul, j'aime pas faire ça. Bon, je le mets là, le mot c'est Michel. Mais ça sera pas fermé. Si je le mets là, c'est fermé, donc j'en peux revenir. Non. C'est plus un périphérique. Oh. La réflexion a l'air dure, hein. Pas qu'est-ce qu'elle prépare, mais ça a l'air complexe. Ou de Trafalgar. Square. Ah, c'est nul de mettre deux trucs blancs en hauteur, t'es en péril après. Oui, je suis d'accord. Deux trucs, enfin, moins de monter encore plus haut, mais c'est pas idéal. J'en ai un aussi, mais bon, après, des fois, t'as pas le choix. Hein. Si la tuile qui reste, elle te rapporte beaucoup de points, c'est cool. Hein. Si c'est un temple, toi, niveau 2, et que t'as des multiplicateurs, c'est pas de bien. Mais pour avancer, il y a des gens qui regardent, ils veulent du beau jeu, ce ne sera pas aujourd'hui. j'ai pas d'étoile. Une des quatre. Je pense que je vais commencer à prendre ça, tant pis. J'attendais du. Mais j'aimerais bien voir l'indication du nombre de chantiers qui reste. Nombre de piles, 2, 14 piles. 8. C'est 3 dernières là, je pense. Ouais. On a de quoi vous revenir, on peut pas se précipiter. Donc on peut aller chercher un multiplicateur là, on va gagner. Ça fait 4 points. Ça fait déjà 4. Plus 6, ça fait 10 points. En plus 9, mais bon, ah non, mais je suis obligé d'aller chercher ça, bien sûr. Je vois même pas pourquoi j'hésite. C'est tout quoi. Je vais le mettre là. On va attendre voir si on a du bleu qui pop. Oh non, je me suis trompé, je l'ai pas mis comme il faut. Ah, le boulet. Tu vois, tu m'endors et bam, après je fais des bêtises. Ah. Inadmissible. Je voulais le tourner, j'ai pas cliqué le bon truc. Tu vois que c'est pas facile. Non, j'ai juste été boulé, là. J'ai pas recliqué, j'ai juste à recliquer sur la flèche. J'ai joué trop vite. Trop naze. Et là. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas. Je suis curieuse de savoir à laquelle tu vas prendre. Elle mais non, je ne veux pas. Faire ça, faut que j'arrête de faire des bêtises, moi, quand même, à force. N'importe quoi. Hein. Fais n'importe quoi. J'ai pris celle-là. Oui, j'ai pris celle-là. Ça ne te va pas, apparemment. Bon, ça ne va pas. Ai-je vraiment le choix? Non. Il reste 3 tuiles à prendre, je vais pas prendre de risque. Après t'as qu'un cube, t'as pas trop le choix non plus. Oh. Oui, je sais. Et ouais, 3 tuiles. Là moi c'est celle-là qu'il faut. Là c'est comme ça. On a récupéré des cubes.
Ah, celle avec les deux étoiles violettes, elle est forte, non, pour Ah toi? ouais, non. Je réfléchis juste pourquoi est-ce que je la mets. C'est hyper malaise. Donc là, je vais en choisir deux sur cette zone-là. Je suis pas loin, hein. La première, elle fait... Ah, mais tu vas gagner, hein. Ça suffira pas. Moi, je dis que tu vas gagner. Mes propos. La première tuile, elle fait 12 points. La deuxième, elle fait combien? Non, je m'enquête sur ça. On a 4, donc ça fait 4. Plus 2, ça fait 6. Ça fait que 6 points, on est d'accord, c'est pas terrible, ça. Quatre et 2, 6, quoi. Et encore là, on a un peu plus, on en a d'autres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais. Ce qu'il vaut mieux prendre dans ça. Mais tu enlèves 20 points à l'adversaire avec la 2. Trop tard. C'est vrai que je pense. Je suis pas trop dans le contre-draft, moi. C'est pour ça que je vais perdre. Ça et l'erreur du marché là. Bon, elle qui me coûte que 4 points, mais c'est quand même une erreur à 4 points. Ah, plus 8 points même, parce que je perds 2 marchés. Donc 2 fois, ouais, 2 fois 4, 8 points là je perds. Tu penses à maximiser ton score, pas à maximiser la différence de score. Ouais, c'est vrai. Souvent moi je raisonne comme ça en premier lieu et après des fois quand j'arrive pas à maximiser, je regarde ce que je peux amoindrir, mais c'est pas trop ma réflexion en premier. Que l'oublier l'analyse avec calcul, ça y est. En général, c'est plus la partie arrive à la fin, plus ça calcule. Ah, mais on prend pas une autre tuile, je suis premier. Toi, non, ouais, moi, oui. Oh, le boubé. Ouais, ça va, ça va, ça va. Elle est bien. Bon, ouais, pas beaucoup, hein. 6 points, non, points de la dernière tuile. Non, 14 points quand même. J'ai 14 points. Well done. Well done. Ouais, faut. Temps de réflexion 8 minutes à 20 minutes. Oh, ça c'est normal. Moi je les vois pas. C'est dommage. J'ai pas le tableau. Enfin, pas 20. 19. 19 sera 9, on est comme ça. 8 à 19. Allez, on a encore le temps d'en faire un. D'en faire une. Oh. Bah oui, mais qui est 3h30, hein? J'avais pas vu qu'elle avait été. Eh oui, ça passe vite, hein. Genre, s'il n'y a pas des demandes d'amis en attente. Où est-ce que je le vois, ça? Ah bon? Tidou, tchoum, tchoum. On va faire un petit Gang of Dice. Tu vas refaire un Gang of Dice? C'est pas mal, c'est... Moi, les gens n'ont pas trop suivi, là, le Gang of Dice. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est rigolo, hein. Ça m'a fait rire, ouais, plus là, c'est le karma, quoi. Donc, Gangs of Dice. Un petit jeu de stop ou encore. Ouais, un petit jeu de... C'est trop RNG pour moi, ouais, voilà, mais non, mais faut accepter, hein, c'est complètement RNG. Mais nous, on a, par exemple, 1000 sabords à la maison, et je trouve que c'est un bon, pas remplaçant, mais un nouveau, quoi. Que tu sors à l'apéro pour rigoler, t'es content quand les autres ils font des jets de dés improbables, et voilà. Mais clairement, oui, c'est aléatoire, hein, c'est que des dés, donc... Donc si vous connaissez pas, c'est...
On a 48 dés au départ, on mise des dés sur une carte, et si on fait la mauvaise combinaison, notre dé n'est pas comptabilisé. Et sinon, si les dés sont comptabilisés, c'est le plus haut score qui remporte tous les dés misés. Donc là, typiquement, il fallait pas faire deux chiffres qui se suivent, elle a joué 3 dés. Donc voilà, je vais juste jeter un dé, le lancer, et j'ai forcément gagné, puisqu'elle a son jet dé a été invalidé. C'est pas joueur. Donc hop, je gagne 4 dés. Et là, on a perdu 3. Et la partie se joue en 12 manches, donc c'est rigolo. Donc là, il faut pas faire 10 plus. On jette 2 dés. 8. Je m'arrête là, moi, 8. T'es pas joueur. Ah, je suis pas joueur. Si, j'ai joué. J'ai joué, j'ai 8. 5. Moustache plus 5 égale explosion. Ah, ça va. 7, ça suffit pas. Remoustache. Oh. 10. Oh. Pour faire 9, c'est obligé. À la fin du tour, il faut pas de... D'impair. De résultat MPA. On va quand même lancer 3D, parce qu'on a un peu d'avance, là. Oh, 4 et 2, 0. On est à 6. Oh, c'est pas mal. On va relancer ça quand même. 10. On sent bien cette partie. Je compte avec une boîte. Oh, ça contre-attaque à la boîte. Non, mais la boîte, tu vas jamais gérer le... Si. Non, je suis. Ah, 8. Et il y a un 3 et un 1. Les moustaches donc sont ni pair ni impair mais valent 0. Bon allez. Un lancé pour pair. Ah, que des impairs. Ah mais c'est abusé. Ah non, mais là quand t'as commencé à prendre l'eau en plus. Je vais pas te dire que j'ai déjà 100 dés, mais. 3 valeurs différentes. C'est dur ça, 3 valeurs différentes. Lancer ça. Moustache. C'est moins bien. Ça va. 9 à battre. 9 à battre. Bien. Faut les 3D. Il faut les 3D qui vont faire que des trucs différents. Ah, t'as joué qu'à 2, mais jamais de la vie, il fallait jouer 2 là. Il fallait jouer 3. Parce qu'il faut faire 3 valeurs différentes. Il suffit d'avoir un doublon. C'est vrai que c'est facile. Ah, ça, tu peux tenter l'égalité. Non. T'es nul, ce jeu. Non. Ah, finesse. C'est pas possible. Tu connaissais Benny ou pas, celui-là? Je crois qu'il a au téléphone. Il a redit en FKTL? Ah non, il est revenu. Il était revenu, non? Oui, il était revenu. Il faut pas de 1. Si. J'ai il faut pas de 1. Moi, je vais jouer 2 dés, moi. 5. Ah, je vais même relancer le 5. Oui. Non, mais sérieux. Allez, top plaisir. Moi, je t'en donne 1. Jamais que. Voilà. On a pris l'ascendant. On a le plus gros gang, là. Ça y est. Don Corleone. Je me vengerai. 2 dés de la même valeur. Dur hein, ça. Allez, on joue avec panache. FKTL. Ça marche. 7 à battre avec 3 dés. 7 à battre. Ils se mettent à tous m'appeler. Bah ouais, c'est 4 heures bientôt, tu parles. La journée est finie, il faut appeler Benny avant de finir la journée. Oh, 8, bien joué. Bien joué. C'était lui, hein. J'ai au moins récupéré 2 dés. 7 plus. Dur, ça. Hein, on peut faire 5 avec un dé. À part faire 5 et 1, je vois pas l'intérêt de mettre un deuxième dé. Hein.
Moustache. Est-ce que ça relance ou pas? Je suis trop heureuse. 5. 5, c'est pas mal. 5, elle va m'obliger à mettre 2D. Mais ouais. 5, bah égalité. Très bien. Mais égalité, ça reste au milieu. Ouais, ça reste au milieu, on verra sur la prochaine. Ah, mais non, remporte les. Pourquoi ça? C'est toi qui mais c'est toi qui les as eu. Ah oui, donc là, c'est pas dérangeant. C'est toi qui les gagne. Bon, là, il n'y a pas de problème. Là, c'est moi qui gagne, un problème de règle, mais c'est toi. Allez, ouais, je vois, d'accord. Je vois le genre. 2D de valeurs différentes. Inadmissible. Ah, je suis en train de repérer. C'est pas Donc, si t'as 2 dés de valeur différente, t'as perdu. Donc, il reste 4. Il y a 4, c'est fort, hein. Faut faire une paire. Une paire de 2. De 2, comme ça, tu perds 2 dés. Échec. Ah, j'en reviens. Ah oui, ça revient fort. Le karma. Pas de 3, 4, 5. Pas de 3, 4, 5. Ah, c'est pas le score max. Hein. Ouais. Il peut faire des moustaches. Très bien. Pas de 3, 4, 5, on a dit. Voilà. Pas de 3. Ah, je peux faire des 1 aussi. Il y a des 1. Je vais rien dire. Ça revient, ça revient. Bon, tu descendais là, non? Non, je suis à 50. Alors, 11 plus, on attaque les 3 dernières manches avec les dés bonus. En vrai, j'ai pas de chance quand même. Hein. Je fais 3, 3, 1 et une moustache. J'ai quand même pas de chance. Pas trop beaucoup de chance. 9, c'est pas mal. Je crois que c'est un 9. Ah, tu m'étonnes. La stratégie 4D aussi 9. Là, je pense que c'est toi qui gagne parce que tu as un 5, tu as un 8 plus fort, mais c'est ça. Non, c'est encore toi qui obtiens les dés. Je comprends pas, c'est bizarre qu'en cas d'égalité ce soit toi qui gagne à chaque fois, c'est un peu abusé. Non, la règle, que dit la règle. Ouais. Donc t'en as 48, on est revenu à 48. Je sais pas. 51, j'en ai. Parce que j'ai eu 3 bonus. C'est inadmissible. C'est inadmissible. J'ai tout perdu après, quoi. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a mis le plus de dés sur du tour qui gagne. S'il y a encore égalité, c'est celui qui a lancé les dés en premier qui gagne. Voilà. C'est un peu abusé comme départage. Alors, les partages, le lancer invalidé avec des dés de même valeur. Ouais, donc tu sais que t'es obligé de mettre plus de dés si tu veux jouer l'égalité, quoi. Ok. J'avais pas cette règle. J'annule la partie. On refait. On refait. Oui. C'est beau ça. Ah, moustache, moustache. T'as pu. Ouf. J'en ai marre. 6. J'en ai marre. Non, je fais que 6, hein. Elle te fait que 6, ça sert à rien de mettre 2 dés, surtout s'ils sont identiques. Hein. Je peux pas mettre 3 parce que si je fais égalité, je vais encore me faire piner. Tu râles, hein? Oui, je râle. 3 et 4, ça fait 7. 4 et 5, ça fait 9. C'est les deux seules combinaisons qui peuvent m'aider.
Et rebelli. Et ben voilà, j'ai. Heureux. Allez, on va parler des bonus. Tout va se jouer sur la dernière manche. Avec 9 des bonus. Oh là là. C'est quoi, c'est ? Le lance est invalidé s'il contient deux valeurs consécutives. Mais alors, mais en bombe. En bombe, ça va ? En bombe, mais attention, mais ça fait, attends, ça fait moustache 1, 2, 3, 4, 5. C'est chaud de ne pas avoir deux dés qui ne suivent pas, quoi. Oh, je suis joué. Les bénis, ils ont compté aussi qu'il te reste 9 jours avant les vacances, alors voilà. T'as fait tout ça de moustache là ? Ouais. Trop chanceux. Et c'est, après les moustaches, pour le coup, c'est avantageux parce que t'as mis plus de dés. Ouais. Ah, ça suffit pas, effectivement. Ah, si je fais un 1 ou un 1 ou un 2 ou un 4, je suis mort. Il n'y a que 5 qui me sortent. Ouais, je fais... Ah, c'était comme ça, 6 avec 4 dés. Ah, mais ça m'oblige à mettre au moins 4 dés. Ouais, mais il va pas faire égalité. Hein. Bah si, je fais 2 et 4, ça fait égalité. Même en cas d'égalité, c'est moi qui gagne. J'ai jeté les dés en premier. Donc, si tu vises l'égalité, il faut jouer plus de dés. C'est pour ça que j'ai joué 4 dés. Ouais, mais bon, ouais, bon je... faire plus que 6, il faut le faire avec 3 dés. Je pense que c'est avec 4 dés. 3, 4, 5, ça suit beaucoup. Hein. Je veux pas. Ouais, par ça. Contre, si je fais 1, moustache, ça va. Oui. Si je fais 1 moustache, ça va. Enfin, je fais moustache. Il est nul ce jeu. T'as combien de dés ? Il est nul ce jeu. J'ai 53 dés, t'as gagné, bien sûr que t'as gagné. Ah mais, je croyais qu'il y a cette image. J'ai gagné la première victoire. Je fais que perdre. Trophée de première victoire, ça c'est... Ça fait je fais que perdre. Ah on a bien laissé Challenger depuis 10 ans. Bonjour les Challengers. Ça rajoute 9 dés bonus. Ouais, ouais, les 3 dernières manches sont assez cruciales si t'as pas pris l'avance tout au long de la partie. Qu'est-ce qu'on fait ? On finit avec une conspiration ? Yes. Allez, ben je le mets de suite là, comme ça. Ça va être mon prochain objectif, c'est de développer ce tracker pour le nom, là, je te le dis. En fait, il faudrait jouer A de base et après faire une autre cellule avec le tracker. Ouais, c'est plus simple. Il faut que je trouve le truc, mais je vais trouver. Je vais demander à quelqu'un. I'm gonna find it. Attends, mais c'est pas comme si on avait pas Arcon, ingénieur en développement des produits, des applications, je sais pas quoi, qui est bien trop fort. Vous faites de l'arène. Moi, j'en fais un peu d'arène, ouais. J'en fais un peu, j'en ai fait sur Challenger. J'ai fait énormément d'arène sur Challenger. C'est un peu sur Bunny Kingdom, sur Seven Wonders Duel aussi. C'est sympa aussi, ouais, l'arène. Sur où Benny, sur où il fait de l'arène. Ah, j'ai pas entendu. Mince. Je sais pas si t'étais là tout à l'heure, Ténérette, mais hop. On a une chaîne YouTube sur laquelle on remet les rediffusions, mais on met aussi des vidéos explicatives des jeux de Board Game Arena. Et il y a aussi des sessions justement arène sur Challengers, etc. Si jamais ça t'intéresse. Je commence. T'as pris quoi ? Le 2 jaune en clé de cuivre. Paf. Et puis pareil, hein, si la chaîne te plaît, n'hésite pas à follow. Nous, ça nous aide à gagner en visibilité. On est là presque tous les jours. Enfin, les après-midi sur du Board Game Arena. Et puis après, le reste du temps, des fois, sur des jeux vidéo. Y a clé, là. Ouais, ouais, y a clé. Là, y a clé. Je prends les perles, j'en ai marre de me faire avoir aux perles. Ah oui, quand on prend le couvert. Ah, le queen. Bah oui, bien sûr que t'allais prendre ça. Piocher 2. Oh, ça te laisse ta clé.
Ah, ouais, mais ça te laisse ta clé et deux par clé dorée, quoi. Non, je te l'ai laissé la clé. C'est défi, tu prends 6. Mais ça rajoute une autre bleue, c'est ça le délire en plus. Ah, bravo! Ah, j'ai perdu, c'est à ce moment-là que j'ai perdu. Bon, ça fait que 4 points. Ça fait équivalent à la carte que tu viens de prendre. C'est pas équivalent, c'est pas vrai. Si. Non. Ah si. Non. Bon. Là, débrouille-toi. Un peu de match jaune. Ah oui, comme ça j'aurais max violet derrière. Oh non. Ah non. Oh, je prends de violet, j'en ai pas. Il m'en faut, je prends un Mac jaune derrière, aussi. J'ai rien à faire. Après, au vu de l'élo de ton adversaire, tu es le challenger. Oui. Ah oui, sur Conspiracy, elle est meilleure que moi. Mais sur 90% des jeux, elle est meilleure que moi. Si vous venez régulièrement sur la chaîne, vous verrez. Non, mais n'importe quoi. Elle gagne bien plus souvent. Bah ouais, bien sûr. Bien sûr, on prend. Elle est meilleure que toi tout pour. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh ouais. Ouais, c'est quoi cette partie? Max rouge, max jaune, max vert. Même en blague. Ouais, je suis pas d'accord. Non. Elle est plus forte en missile. Elle balance des missiles des fois. En sniping. Tu peux aller chercher le match violet. Ah, il est pas. Le sniper. L'oubliateur d'élite. Sur quoi on part? Ah ben, je voulais faire avec les argent dorés. Ouais, ça m'a l'air mal engagé. Ça m'a l'air... Ça va bien le fond bleu avec Conspiracy. Ouais, c'est vrai. Ça fait un peu espace. J'ai repris ma main sur les perles. Je te le dis. Ouais. Je fais que des lieux. Je fais que des lieux. Pas de chaîne. Il y a beaucoup de clés dans cette partie. Ouais, là, c'est un peu la foire aux clés. Le maître des clés. J'ai pas de vert, il manque plus que passe-partout. Ouais, il est à la surface, il est dans le fort. À la surface. Ça pense qu'ils en jettent des clés. Hein, faire ça, moi. Comme ça, je reprends la maîtrise de la perlitude. Petite maîtrise. Oh. Est-ce que t'as je une... te sors toujours que des vertes. Oh, vertes, hein. Tu vas prendre la clé. Oui, prends la clé. Forcément, je vais prendre ça. Bah oui. Max vert, j'en ai pas. Max, la menace. Ça fait 4 points. Si c'est pas passé. Notre combat. Les perles. Les perles, bien sûr. Débrouille-toi. Débrouille-toi à piocher. Mais c'est quoi ce délire avec toutes les clés là? C'est quoi cette partie? J'aime ça. Eh, mais ta chaîne, elle est incroyable. C'est x3, 18 points de chaîne déjà. Je peux juste aller me rhabiller. Je vais en prendre 3. Pas du tout ce qu'on veut. 3 points jaune ou 3 points rouge. Bah, il y a 3 points jaune pour avoir les deux perles. Non. La coalition. Alors. J'avoue que là, le tableau, il fait rêver quand même. Soit je prends. Heureusement, on n'a pas laissé les jaunes, mais bon, si elle prend les deux rouges, elle va mettre un sacré coup de boost sur le. Les deux rouges, donc ça te permettra de mettre une. Les visuels de Conspiracy et Abyss sont époustouflants. Ouais, j'aime beaucoup le graphisme de Abyss. On y a joué il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps. On n'y joue plus trop là maintenant. Bah, il est lié à l'assaut quand même. Mais ouais, mais je préfère jouer à Conspiracy parce qu'on retrouve un peu les sensations en beaucoup plus court, en beaucoup plus condensé. Mais le matériel est de toute beauté et le design, clairement. Je pense que c'est un peu ce qui a fait la réussite du jeu, quand même. Parce que ça attire tellement l'œil.
Et le bon. Par contre, je suis pas bien là. Et toi, tu vas avoir fini et je vais te avoir une grosse chaîne et donc du coup, je suis. Mon avis, c'est que je suis fini. Finito. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va pas. On peut laisser le joueur dans un fond, mais ça fait deux perles en plus. Ça te ramènerait avec moi et c'est pas trop ce qu'on veut. On va peut-être prendre ça. GG, c'est ce qu'il fallait faire. Ouais, c'est ce qu'il fallait faire, j'ai 10 points de retard. GG, elle me dit. C'est du troll. Je suis poli. T'étais poli, non, t'es médisante. Non. Si. Non, parce que si tu me le laissais, je récupérais le token. Oui, ouais, bien sûr. Et tu gagnais avec 70 milliards de points d'avance. Ouais, je peux plus revenir au père, donc ça sert à rien que je pioche. J'ai fait une carte un par rouge. Il n'y a pas. Non, pas un par rouge. Ah non, je passe ça comme carte. Donc. Enfin, je prends le cas du violet, ça me fait un point de plus, et puis c'est tout. Hein. Et puis c'est tout. Parce qu'après sinon je vais trop de cartes. Je reprends une clé, mes 10 points, c'est au-delà du 6 à 7. Moi j'ai juste perdu parce que là le vert me fait juste 3 points. Qu'est-ce que je peux espérer de mieux que 3 points? Le 6 jaune est passé. J'ai quand même toutes les couleurs. T'as que 1 en rouge. Hein. J'ai 6 bleus, j'ai que 1 en rouge. Ouais. J'ai que 1 en rouge. 6 rouges est pas passé. Bah, il y aura pas bien mieux. 3. Il y aura pas bien mieux. Et la clé ne me sert à rien. Donc t'as 1 par violet, toi. C'est perdu. Pourquoi t'as pris le vert? Pour la chaîne. 1 par violet, ça fait un point. Ok. Ouais, 53 à 45. La chaîne de jaune, elle a été extraordinaire. Ouais. Elle a été extraordinaire. Bien joué. Merci. Bravo. Bravo, bravo. Hop. Eh bien, j'ai pas vu l'après-midi passer. Oui, moi non plus. On va s'arrêter là, parce que nous, en général, on coupe à 4h. Sur l'après-midi, on fait du 13h-4h sur BGA, voilà, donc on va se stopper là. En tout cas, merci d'avoir été avec nous cet après-midi, d'avoir discuté avec nous, c'est cool. Il y a de plus en plus de monde, donc ça nous fait plaisir. On aime bien échanger avec la communauté. Après, n'hésitez pas à nous rajouter un ami et venir carrément jouer avec nous, c'est encore plus marrant. Sinon, c'est tout le temps l'Ubli qui gagne, donc... C'est pas possible. On va se retrouver, comme le dit Benny, ce soir. Nous, on revient à 20h pour la saison 1 de Diablo 4, parce que comme on fait aussi du jeu vidéo, ce soir, on sera sur le démarrage de la saison de Diablo 4. Et puis, demain matin aussi, et demain après-midi pour du board game Arena. Mm. Tranquillement, voilà. Hop, on va se mettre sur l'écran de fin de stream. Ici, voilà. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et comme d'habitude pour ceux qui regarderaient ça en replay, n'hésitez pas à follow la chaîne, ça nous aide énormément et ça coûte rien. Voilà. Ciao ciao. Ciao ciao.